<laughs> oh, ouais, c'est tellement bien! Ah, désolé! Pardon, <laughs> pardon. Non, j'ai juste découvert que voilà, on peut se gratter le crâne avec les plantes en plastoc derrière là et, et, et ça fait un massage. Je sais que c'est un incroyable. truc qu'ils ont acheté sur un, un truc chinois, à mon avis, c'est ultra ouais, bah, cancérigène. Je, je, je ouais. pense que je suis chez le médecin là le lendemain là, mais bon, écoute. Euh... Bonsoir là, euh, tout le monde, désolé pour, on est désolé pour, passe, euh, voilà, elle, elle va être au canal cette émission sous, je on bien. Mais si on Exactement. voit là, regarde, si, regarde là, là, euh, là, là en euh... bas à droite là, regarde, okay, okay. ouais, voilà, on a toute l'image. Mais... <laughs> Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission donc de Canard PC. Ce soir, euh... bah, ce soir, je vous ai réuni, on va pas se mentir, hein. j'ai pris ce que j'ai trouvé, hein. euh, voilà, donc on va on sait, hein, bah, la gare, ouais. ça va, ça va, ça va. Moi, je pas quitté le plateau depuis 15 jours. ouais. Bah ouais, ouais. Et ils non plus. On est là. On a... En fait, ils ont éteint les lumières et, cal... et Agbou a fermé la porte à clé. Ça, et nous, on grignote les plantes là, depuis 15 jours. Et, on... et là, on t'a vu arriver, on dit, Oh, il y a de la lumière et on est prêt pour une nouvelle émission. M. visuel, comment bah, ça va T'es ouais, encore bah, motivé T'as encore de la force dans les poches Ça va La, la force dans les poches. Euh, oui, c'est ouais, une expression que j'ai inventée à l'instant. J'aime bien. Je trouve, ça dema mal. Demande aux gens d'expliquer pourquoi ils te comparent à The Rock parce que tu ressembles pas du tout à The mais Rock. Oui, c'est ce qu'on se disait avant le... Oui. l'émission là, vous dites tous euh, c'est The Rock, mais pour moi, Dwayne Johnson, c'est pas... Mais n'importe C'est qui... fou cette histoire. Bah, c'est Cannes. Khan, un peu aussi que la Dwayne Johnson avec toi, Dwayne Johnson, à l'époque où il avait des cheveux, quoi. Ah, bah, on, moi, je l'ai pas connu. j'oubliais, mais il avait des cheveux, il est pas né chauve. Ah, ok. Ouais. Ah, ok. Ah, aussi, ah, ouais. il a dû être chauve. Donc, Là il sac Apparemment, il y a une photo célèbre de The Rock avec un sac banane et un portrait craché. D'accord. Et okay. ta coupe de cheveux, non Eh bah, ben écoute, on ira... Ouais, ouais, on ira rechercher ça avec grand intérêt. Avant qu'on commence la petite séquence, l'inévitable marchand de tapis, on vous rappelle que Canard PC, c'est un magazine. Qu'est-ce qu'on a en casque en ce moment On a le numéro 435 avec Uplactel Requiem, une dernière preview avant la sortie qui est le 18 octobre, je ne sais pas si j'ai n'ai pas de bêtises. La, la caméra. Pardon, pardon, pardon. Voilà, hop, tac, achetez, 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 c'est super bien. Bref, dedans, on a le test de Stray, on a Toupon Campus, on a Centro, bien sûr, vous pouvez retrouver tout ça sur le site web et bien plus encore. Je vais péter une lumière, on n'a pas l'air malin. Hein. <laughs> <laughs> on a le tout nouveau canard PC Hardware qui débarque en kiosque. Là, ça rigole pas. Hein. L'upgrade est-il mort Et, Et là, vous faut voyez, un truc elle, smiley triste Parce hein. qu'on a passé beaucoup de temps à se moquer des couvertures de canard PC Hardware ici même. Mm. Mais celle-là, je la trouve super elle cool. Est cool. Elle est cool. Franchement, ouais. le, le smiley en, en pâte thermique, ouais, là. C'est rigolo. Chat, c'est toi qui l'a fait, non Le smiley en pâte thermique. Voilà, donc c'est Monsieur Chat, vous voyez, vraiment. Il est fort. On a du talent dans mmh. cette rédac. Donc, l'objet est-il mort Mettre à jour ou changer totalement de PC L'Inzone H9, le casque gamer de Sony. Nettoyer sa carte graphique. Guide d'achat comme d'habitude. GPU, CPU, tout ça. Enfin bref, acheter, c'est fantastique, on adore. Et enfin, bientôt, ça va sortir des kiosques. Donc, si vous l'avez pas acheté et que vous n'avez pas fait, bah, traînez pas trop parce que bientôt, il n'y en aura plus dans les kiosques. Le dernier hors série dédié aux jeux de plateau. Si vous n'en trouvez pas en kiosque, bien sûr, vous pouvez le commander sur notre site web. Ah, ouais, en effet. En effet. Ah, oui, en euh, effet. J'avoue, je l'avais sur. Non, là, j'avoue. C'est où Ouais. ouais, euh, ouais. Le même un... ouais. pull, la même chaîne. Ouais. Mais t'as fait exprès. Je, je faire un cosplay. Le cosplay de The Rock, sans déconner. J'ai pas mon sac banane là, mais il est dans l'autre pièce. C'est hallucinant. C'est ah ouais. quoi à la, à la pause, tout à l'heure, quand on fait la pause, tu vas acheter ton sac banane. La deuxième partie, oui, je ça. veux que tu aies ta banane. Ah non, mais je vais aller me changer surtout. Ah, tu l'as pas fait exprès ah C'est incroyable comme costume bah accidentel. quoi la mode est cyclique. Ouais. Enfin, est... comme ah, quoi. Euh... Bon, bah écoutez. J'espère qu'il aura petit la petit même carrière. On va parler un petit peu d'actu. Oui. La grande actu en ce moment, on va pas se mentir, hein, Monkey Island. Enfin, 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 un nouveau Monkey Island. Et surtout, putain, on n'y croyait pas. Mais si, en fait, hein, Ron Gilbert, Dave Grossman, qui reviennent aux commandes et qui se plante pas, qui nous font oui. un bon Monkey Island, vraiment. J'ai passé presque 12 heures dessus. Ça a été un plaisir, vraiment, de début à la fin. Le jeu décolle quand même, à partir de la deuxième moitié. On sent que la première moitié, elle est un petit peu poussive, mais sans être vraiment scandaleuse. Il n'y a pas de problème en soi. Mais vraiment, le jeu décolle à partir de la seconde moitié. On ne va pas parler du scénario parce que je ne veux pas spoiler et parce que pour un point and click, le scénario, c'est ce qui fait quasiment tout l'intérêt. Donc on ne va pas divulguer quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, en fait, quand même, c'est que. Le jeu est une espèce de, de réflexion personnelle euh, sur euh, de, de, de ses créateurs donc Dave Grossman et Ron Gilbert euh, sur euh, bah, ce que ça fait d'être un développeur de jeux vidéo quand on a 50 ans et quand on a fait ça toute sa vie et en fait donc Monkey Island est aussi là pour re, on va dire refléter un petit peu cet état de fait et ce que j'ai trouvé vraiment assez incroyable c'est que ils trouvent le moyen de de dire finalement ouais on est vieux et c'est pas grave en fait, c'est mmh. et s'en développe une espèce d'aspect euh, assez touchant parce qu'ils auraient pu très vite tomber dans le côté ah, c'était mieux avant, vous voyez hein, hey, quand on savait faire des potes de cliques hein, hey, mmh. on, a, on a compris les vieux hein. Et non non, ils, ils viennent pas nous bourrer le mou avec ces histoires et vraiment pour ça je trouve ça extraordinaire quoi. Personne n'a joué ici non, non mais Moi j'ai une question. Pourquoi c'est mal dessiné, Canne oh, Je, vais te taper. <laughs> je vais te taper. je tapais, je taper, j'ai pas le choix là. Non, ça, c'est, ça a vraiment fait tout un débat parce qu'apparemment, euh, voilà, on n'a pas le droit de dessiner Guybrush Trépou d'une certaine façon. Je vais pas vous mentir, hein. pendant la première heure, j'ai eu aussi ce doute. J'ai eu ce, ce petit côté, ah, je ne reconnais pas en fait, je reconnais pas, j'ai plus mes codes. Et puis en fait, quand j'ai vu le ton qui était donné au jeu, quand j'ai vu euh, l'atmosphère qu'ils essayaient d'insuffler, ce genre de choses, ben, je suis passé de je ne comprends pas à en fait, putain, ils avaient raison, c'est con. Cool. En fait, c'est ça qu'il fallait faire. Mais voilà, au premier abord, quand on sort de Monkey Island 1 et 2, notamment, parce que celui-ci se veut vraiment comme l'héritier du 1 et du 2, même s'ils disent que euh, le jeu reprend l'histoire de, de tous les Monkey Island, euh, il se veut vraiment, d'un point de vue spirituel, héritier des deux premiers. Et donc, automatiquement, quand on sort des deux premiers et que on tombe là-dessus... Il y a un petit choc. Mais je vous dis vraiment, hein, euh, maintenant, je serais incapable de revenir en arrière. Si on me dit, le prochain, on repart sur une DA comme les deux premiers, ouais. etc. Je dirais, ah non, erreur. Oui, en Comment fait, c'est une question d'habitude, quoi. Ouais, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude et puis je pense que c'est une question aussi qu'il faut peut-être euh, ouvrir un peu les chakras, en fait. Quoi. Ah oui, ça, c'est sûr. Simplement. Non, mais parce qu'il faut bah, rappeler que quand euh, hum. les devs ont montré les premières images du jeu... C'est pas seulement que les gens ont critiqué, c'est qu'ils se sont pris des vagues de harcèlement. Oui, en fait. tout à oui. fait. C'est Ron Gilbert, sur son forum ou son site personnel, qui relatait un peu l'état d'avancement du jeu et qui s'est pris une chier, mais monstrueuse, dans les commentaires et Qui a fermé les commentaires en disant euh, alors, je, la traduction va être approximative, mais en gros, euh, la, vous, avez, vous avez retiré toute joie de partager avec vous. En fait, vous mmh. avez retiré toute joie de partager avec vous. Et il me semble mmh. que c'est lui aussi qui a terminé en disant et En fait, quel que soit le succès de ce jeu là, je sais que j'en referai plus parce que vous m'avez vraiment dégoûté. Euh, ah ça, je, euh, oui. je m'en souviens non, pas. C'est un des devs, de, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible Après, ce Bizarrement pour moi, ça ressemble un peu à du Dave Grossman parce que Dave, en fait, c'est quelqu'un qui a pas trop sa langue dans sa poche. Ouais, lui, oui. Donc, voilà, on on l'a interviewé à pour l'occasion pour du test, J'ai posé juste trois questions et euh, il a été franco dans les, dans les réponses. Quoi. Il y avait pas de langue de bois, il y avait pas de. Je cherche un peu. Mm. Genre notamment, euh, je l'ai questionné sur le fait que euh, sur votre page Steam, là, quand vous présentez le jeu, vous dites que c'est la suite du 1 et 2, mais alors euh, ça veut dire quoi Que le reste, en fait, n'est pas canon Donc, Sans entendu, ça veut dire quoi Les jeux que vous n'avez pas fait, c'est de la merde, en fait. Mm. Et euh, en gros, il m'a dit non, non, vraiment, on, on suit l'histoire et tout. Effectivement, on y a peut-être été un peu fort. Il n'y a pas beaucoup de devs qui diraient, mec, niveau corps, on s'est un peu chier dessus là quand même. Donc, non, vraiment, dev pour ça, il est vraiment très bien. Quand on l'a en interview, vraiment, c'est quelqu'un qui est super ouvert et c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir discuter avec lui. Toi, mon cher Agar, tu es quand un grand connaisseur des points techniques. Tu as joué celui-là Au dernier, non. Non, pas encore, toujours pas bah Non, toujours pas, non, non, pas encore. Et euh, mais, euh, mais oui, par rapport à la, la, la réaction que les joueurs ont, oui, bon, c'est malheureusement, on sait que c'est le cas. Mmh. Et on en reparlera d'ailleurs plus tard dans l'émission mmh. sur d'autres sujets. Mais euh, c'est vrai que c'est aussi un jeu qui capitalisait beaucoup sur le côté euh, nostalgique. Ouais. Donc c'est un jeu qui, d'ailleurs, il y a eu un article qui est très, très intéressant qui est sorti cette semaine sur euh, la, le, le fait que toute l'industrie culturelle aujourd'hui, avec les, notamment les grosses licences, type Star Wars, tout ça, mmh. elle fonctionne parce qu'elle essaie de faire croire à des gens qui vont pouvoir retrouver l'émerveillement qu'ils ont connu enfant. Mmh. Or, ça marche pas. Ouais. Pas parce que, et donc, ils en viennent à dire, bah, en fait, les jeux, les nouveaux les, les nouvelles productions sont moins bien, donc à ce moment-là, ça donne des vagues de harcèlement parce que les gens sont frustrés, ou alors, ils disent, c'est parce qu'elles sont pas aussi bien qu'avant, parce que maintenant, c'est politique et c'est woke, etc., et ça devient une sorte de, de, de réservoir, tu vois, de ressentiment, mais en fait, c'est simplement que, bah, juste, vous êtes plus des enfants. Ouais. Et que vous espérez retrouver l'émerveillement que vous avez eu à l'époque, et vous n'y arriverez pas parce que, ben bah, vous êtes Vieux, c'est tout, et du coup, c'est normal, et c'est amusant de voir que ça va provoquer ce genre de réaction pour notamment pour une licence qui jouait quand même beaucoup sur le côté. Voilà, enfin, les gens ont dit Voilà, vous allez avoir un nouveau Monkey Island, c'est un jeu avec lequel vous avez grandi qui a marqué votre enfance ou votre adolescence. Donc, c'est aussi normal, enfin, c'est normal, pas que ça justifie quoi que ce soit, mais c'est attendu presque la violence des réactions, ouais. Mais là, du coup, c'est un peu, c'est pas exactement la même chose parce que là, non seulement il se démarque de ce qu'il y avait avant, donc la proposition des devs, c'est pas juste un truc sur la nostalgie. Et puis euh, c'est réussi en fait. Ah, bien sûr Ah, oui, dire. vraiment c'est réussi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que le, le fait que justement ils aient voulu faire quelque chose d'un peu différent, ouais. forcément, ça va être vu de façon hyper critique rupture, par les hein. gens, mmh. parce qu'ils vont dire voilà, ils vont presque. On sait que l'industrie du jeu vidéo elle repose beaucoup sur. Euh, en fait, le, tu as le désir d'avoir quelque chose qui finalement va, ne se satisfera pas au moment où ça sortira. Mmh, mmh. Toutes, les, toutes les annonces de jeux, c'est fait comme ça, etc. Et là, du coup, en voyant que ça n'allait pas être conforme à leurs attentes, ils souffraient déjà de la déception qu'ils qu imaginaient qu'ils allaient connaître au moment de la sortie. Si tu veux. Mmh. Donc c'est euh, c'est pas très... Euh... Mais ce qui est, euh, moi, il y a un point par contre, je pense, là, sur lequel ils vont prendre une chier là, très prochainement, malheureusement, à euh, mon, grand, mon grand regret. Euh, ça va être sur la fin du jeu. Là, il faut attendre que les gens maintenant aient le temps de terminer le jeu, etc. Et je pense que ça va plus tarder, parce qu'il est pas très long, il fait dans les 10-12 heures à peu près pour, pour en voir le bout. Donc euh, voilà, sans juste donner aucun détail sur la fin, parce qu'encore une fois, on ne veut pas vous spoiler sur, euh, sur le jeu. Simplement, je pense que c'est une fin euh, qui va vraiment euh, cristalliser les réactions des gens. où les gens vont la détester, ou ils vont l'adorer. Euh, moi, j'ai fait partie des gens euh, qui vraiment euh, l'ont adoré. J'ai eu au début, quand, euh, quand euh, la fin a commencé à s'amorcer, quand ils ont commencé à mettre le truc en place et tout, j'ai vu que voilà, que je comprenais que c'était la fin du jeu. J'ai eu peut-être une minute ou deux de. Putain, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que ça Non, c'est épouvantable. On ne peut pas finir un jeu comme ça, c'est pas possible. Mm. Et puis d'un coup, j'ai eu le déclic, j'ai eu le truc, j'ai fait... Putain, c'est ça le message, en fait. C'est ça le secret de mon Island. Et là, j'ai... Oh putain, la vache. Oh les cons. Oh ils sont mm. forts. Et voilà. Et juste, je rentrerai pas dans les détails, vraiment. Jouez-y, si vous, si vous le pouvez. Et je serai très heureux de pouvoir en discuter avec vous, que ce soit sur Discord ou n'importe où, pour avoir vos ressentis Parce que, mm. voilà, moi, j'ai eu mon sentiment, ma compréhension du truc. J'en ai discuté avec d'autres gens qui l'ont fait. Bah genre, justement, Gotos on, on, on s'est topé là, sur Discord, on a pu en discuter un petit quart d'heure. Et euh, ça me rassure parce qu'il l'a pris comme moi, en fait, la fin. Il m'a dit, euh, pareil, au début, euh, puis en fait. Ah ouais, putain, en fait. Putain, ils sont malins, quoi. Donc. Euh, et j'ai une question. Est-ce que c'est un bon jeu d'aventure dans l'absolu Si imagine quelqu'un qui n'a jamais joué à un Monkey Island de sa hum. vie, qui ne connaît pas Monkey Island qui télécharge ce truc tout en disant mmh. tiens c'est a mignon et cherche un point ouais. de clic ouais. euh, c'est bien quand même ouais, même sans, quand sans tu, aucun le problème. Le, tu le vois pas comme une suite à la série sans, ou... sans aucun problème parce que en fait il y, y a plein de choses comment dire qui sont des références on va dire indirectes il mmh. euh, y, y a beaucoup de services hein. on, on retrouve Carla on retrouve Hélène on retrouve euh, voilà mais d'un autre côté je me dis enfin euh, moi j'ai j'ai attaqué le jeu sans euh, sans mettre euh, tous les derniers Monkey Island euh, une semaine avant comme certains et tout le bastring et mmh. j'ai eu aucun manque et avant mmh. qu'on joue au jeu en fait ben là on voit les, on voit des images là avec le petit livre qui passe euh, au début on nous dit voilà si vous voulez voir vous pouvez revoir l'album photo de Gabriel Strippout qui va vous reparler de ces histoires pour vous mettre mmh. un petit peu en dedans et vous faire ça. comprendre qui est ah, quoi oui. en fait mmh. et donc du coup euh, franchement ça m'a bien aidé et même d'un point de vue strictement gameplay quelqu'un qui est pas trop euh, axé euh, point and click bah, C'est un jeu en fait, qui, est, euh, qui est très respectueux en fait, de la recette du point and click. Peut-être un peu trop. Je pense que les gros amateurs de point and click pourraient être un petit peu déçus parce qu'ils vont peut-être attendre un peu plus de fantaisie, un peu plus de variété dans les énigmes, dans les trucs comme ça. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait de point and click et qui se dit, bah, tiens, euh, pourquoi pas Franchement, ça fait le taf. Oui. Mais surtout que ça peut avoir le coup d'ailleurs de, de parler un peu du système d'indice parce qu'on en a parlé. Moi, je oui. suis extrêmement nul au, jeu, au point and ouais. click, au jeu d'énigmes, etc. C'est vraiment ma kryptonite. Et euh, en fait, tu me disais que le système d'indice du jeu, justement, est pensé ouais. pour être quand même un peu plus malin que juste regarde la solution. Oui, oui, en fait, c'est un système progressif. C'est-à-dire que le jeu sait précisément à quel niveau tu en es dans les différentes missions, en fait. Et d'un coup, tu es là, tu es largué, tu putain, j'y arrive pas, tout son truc. Et puis, il va, il va te dire, je veux un indice sur ça, ça, ça ou ça, selon les missions que tu as qui mmh. sont en cours, en fait. Donc, tu cliques sur la mission qui t'intéresse. Et après, lui, en fait. Il va t'aider progressivement. C'est-à-dire le tout premier indice, ça va être du, du style, ce que j'ai mis dans, 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 dans mon test, en truc pour pas spoiler. Genre, il va te dire, bon, euh, dans une tarte aux fruits, il y a. Mm. Et donc là, tu peux faire, ah oui, j'ai compris, merci. Et tac que ça fait le bouquin terminé, mm. ou tu peux cliquer sur j'ai besoin d'un autre indice. Il va aller un peu plus loin, un peu plus loin, et jusqu'à par finir par donner la réponse euh, complètement si vraiment tu n'y arrives pas, quoi. Mm. C'est oh, un item qui qu avait dans d'autres points de clic. Hein. Ouais, 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 non, c'est pas les premiers à faire mm. ça. Mais par contre, c'est vraiment, euh, c'est malin parce que. Ça te met sur la piste sans forcément te mettre tout de suite le nez dans la réponse. quoi. Mmh. Donc tu te sens un peu moins bête quand tu l'utilises. Et, et puis c'est en rupture avec ce qu'on faisait à l'époque de, 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 des Point and Click, LucasArts, etc., où c'était vraiment des énigmes quand même assez alambiquées. Ouais, il n'y avait ouais, pas d'indices ouais. très malin. Mmh, mmh. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé à quel point c'était vraiment pas juste pour. Augmenter la durée de vie du jeu C'est si, impossible. Hein, impossible, parce impossible. Que le tout premier euh, Monkey Island, il se terminait je, de mémoire. J'ai regardé avant de faire mon test là. Je crois que c'est en 6 heures, 6 ah ou 7 ouais. heures à peu près mmh. de, de moyenne. Donc c'est quand même relativement court. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeux à l'époque étaient très durs, ouais, ouais. avaient des vies limitées, mmh. pas de sauvegarde ouais. encore si tu remontes un peu dans le temps. Mmh. Mais, mais c'est aussi plus simplement qu'il ouais. qu y avait moins de QA à l'époque. On va faire des user tests avec des joueurs et on regarde, là les gens ils bah, ont l'air de bloquer, il faut qu'on simplifie parce que personne n'y arrive. Donc euh, les ouais. devs disaient ça passe j'y arrive <laughs> et euh, mon conjoint ou ma conjointe après, aussi. Plus, euh, allez c'est bon et euh, tu voilà peux il faut être sûr qu'ils négociaient la soluce avec euh, des magazines pour leur faire voilà, des soluces et tout le mmh. c'est aussi une partie du business quoi mmh. mais euh, non là en plus les, les énigmes euh, sont toutes très logique en fait même si c'est basé sur des ressorts comiques et des trucs un peu délirants etc euh, on n'en est pas au point de certains put and clics comme j'ai parlé dans mon test en mode ah mais si regarde tu prends les pellicules du mec et tu mets dans le bocal à la cornichon ça mmh. fait de la pâte à modeler tu vois oui, on n'en est pas là ouais. c'est plus des énigmes vraiment en mode comme je te dis genre euh, bah le mec il me réclame une tarte euh, bah je vais chercher comment obtenir les ingrédients dans une tarte. Peut-être qu'il y a des ingrédients de la tarte qui ne sont pas faciles à avoir, qu'il faudra que je négocie avec un autre personnage et du comprendre quelles sont ses attentes à lui, etc. Mm -hmm. Souvent, c'est ça le, le, le cœur des énigmes de, de ce Monkey Island, c'est vraiment comprendre les attentes euh, d'un événement, d'un PNJ, etc. Et comment y répondre avec les oui, différents oui. moyens qui sont mis à notre disposition. Euh, moi, du coup, il y a quand même une grande question que je me pose. Voilà, Return to Monkey Island, ça y est, c'est fait, on est content, le jeu est bien, etc. Quel est le prochain du coup Qu'est-ce qu'on va voir euh, comme point de clic à gare Il y a un, un jeu que tu aimerais voir euh, Il ah, ben, y avait eu une tentative qui a été avortée parce que Disney a passé les gens à, ta, à tabac très vite. C'était euh, Fate of Atlantis, ouais. de mm. Indiana Jones, de Lucas Hart aussi, mm. que je tiens toujours pour le plus grand point de clic de tous les temps. Mm. Et euh, j'aimerais voir un remake ou une suite mm. euh, qui reprendra un peu le même genre de scénario, le même genre de. Et, euh, mais bon, il ne faut pas trop y compter. Mm. Ah, pourtant, la Indiana Jones, ça, ça revient un peu. Euh, c'est chez je... Disney, ouais. Ouais, c'est Disney, mais après, si ils de en faire un, je pense qu'il ferait un truc qui serait quand même plus. C'est euh... Disney, ça aussi. n'oublions oui. pas. Oui, c'est vrai. C'est Disney. Sont, je sais pas parce que, que. Disney maintenant. Ouais, ouais. Pour faire un point and click, justement, ça peut être le, justement la bonne adaptation en termes de budget. C'est oui. pas un truc où tu vas devoir mettre 4 millions, euh, tu vois. Oui, oui, c'est clair. Surtout que ce n'est pas une licence qui a le poids de celle de Star Wars, par exemple, aujourd'hui. Mais, euh, mais je pense que s'ils si en avaient une, justement, est-ce qu'il aurait le même côté. Euh, un peu pointu que pouvait avoir ah of ouais. Atlantis, ouais. pas forcément en termes de difficulté, tu vois, mm. mais en termes de, ben, de construction du monde, de documentation, etc. parce qu'il était ouf ce jeu. Quoi. Ouais. Et, euh, et est-ce que ce serait pas plutôt un truc justement un peu léger, cartoon euh, mm. Je sais pas. C'est euh, en tout cas, hein, oui, un remake, c'est pas exclu. Ouais, en tout cas, toi, en fait, Alpha Atlantis, tu signes direct, quoi. Ah complètement. Ouais. Okay. Et toi euh, bah, moi, les point de clic, ça a jamais été mon, trop <laughs> mon truc. J'ai juste joué, joué aux les plus vieux auxquels j'ai joué, ça devait être les Runaway de okay. penduleau donc c'est pas ah oui, c'est pas très, pas très, très vieux, vieux. Mmh. et eux pour le coup c'était vraiment des énigmes ultra lambiquées genre défoncer une porte avec une mitrailleuse dont les balles c'est des tubes de rouge à lèvres enfin, quoi ouais, oui quand ouais, non, mais vraiment <laughs> et euh, mais euh, non non donc euh, voilà il n'y a pas vraiment de remake à faire je pense oui là, <laughs> ouais, là pour le coup voilà. et en plus je pense pas quand on parle de runaway c'est un truc où tout de suite un public qui se passe <laughs> non, oh, non, ouais, oh, vrai, allez pas vas-y go non. <laughs> Et eh bien moi, à mon niveau, bah, euh, sans surprise, hein, Discord. Voilà. Discord, ça fait des années que j'espère qu'enfin, ils vont nous faire un, un, un return sur Discord, par exemple, en supposant qu'on suive ce modèle-là. là. Parce que euh, voilà, les Discord 1 et Discord 2 ont très bien marché. Discord noir a un peu divisé au niveau du public, parce que il bah, y avait ce côté, c'était un peu un pas de côté dans l'univers de Discord, avec un côté un peu enquête, polar noir et tout, le bastring, ce qui nous faisait sortir un peu des délires avec de euh, Magicien, ce genre de choses. Est-ce que Pratchett participait aux, à ces adaptations-là alors de mémoire, je ne crois pas euh, le premier Discworld, c'était une adaptation. Ils avaient réadapté le scénario de Guards, euh, qui était un des romans de Pratchett, euh, mais en mettant Reincevent dedans et du coup en télescopant avec des événements de la huitième couleur et du huitième sortilège. C'était vraiment une espèce de, ouais. de Globyboulga. Ouais. Mais qui, en soi, se tenait hein. Après, le, le, le scénario était intéressant, et tout le basstring euh, Par contre, ils avaient fait doubler euh, les mecs des, des Monty Python, si j'ai pas de conneries, ah ouais, dans les premiers. Mmh. Terry Gilliam, ah, etc. Fait, ouais, cool. qui, mais, en fait, Terry Gilliam, qui va fait, c'est cool. C'est Terry Gilliam, qui fait la boîte de rince-vent. Euh, donc voilà. Mais même après, sans forcément aller jusque dans tous ces, tous, tous, tous ces délires, euh, je veux dire, Terry Pratchett a fait une Tel, euh, une, il a une telle œuvre derrière lui, il y, y a qu'à se baisser pour ramasser des scénarios en fait, là, et en faire des point-and-click. Après, donc, je, euh, je pense que est son estate qui a les droits aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont envie de faire un jeu. Je ne sais pas du tout. Mmh. Je sais que le, les jeux sont complètement à l'abandon, apparemment. Euh, Gog n'arrive pas à obtenir les droits pour les, pour les revendre et tout le bastingue. Qui est-ce qu'ils avaient développé les jeux euh, Je crois que c'est Psy ouais, Psygnosis. D'accord. Il me semble, mmh. de mémoire. Et ouais voilà, donc du coup, c'est là, c'est en suspens. Mmh. Donc. Pour conclure, en fait, moi, ce que j'espère, là, avec Return to Island, c'est que ça euh, signe un peu le retour en grâce de, oui. de ces point and click et que bah, ça réveille des studios, des ayants droit qui se disent Eh putain, en fait, il y a, y a un marché, il y a une demande. Ben, on y va, les gars, en fait. Il y a quoi. bonne chance. Hein. Go, quoi. Mmh. Et voilà, on attend que ça. Mmh. Sans transition. Alors, point and click, t'avais pas grand chose à dire, mais là, Foxhole, on va plus t'arrêter. <laughs> <laughs> Et en plus, tu vas être tout seul pour en parler. Mais ouais, <laughs> génial. Euh, oui, alors. Euh, alors résume-nous, c'est quoi ce truc-là Parce que là, il y a la, la guerre, machin, c'est le bordel. Alors, tu l'as mis dans, dans l'émission, parce que tu as vu que j'en parlais dans la, dans la Caravan Patch qui va sortir bientôt sur le, ouais. sur le site de Canard PC. Et ouais. euh, donc, Fox Soul, c'est un, un, un jeu, donc, comme on voit, de, de guerre, euh, où. Euh, vu du dessus, on dirige un soldat et on, et on attaque la faction d'en face. Ok. il y, y a des trains, content il y a des trains. Ça, c'est la vidéo qui montre les nouveautés de la, la, la mise à jour 1.0, puisque justement, l'actualité autour de ce jeu, c'est qu'il sort enfin d'accès anticipé dans euh, une semaine, je crois, mm -hmm. euh, alors qu'il est en, en accès anticipé depuis 2017. Et il euh, y a un twist, en fait, dans ce jeu, c'est que c'est pas juste un jeu de guerre vu du dessus, c'est un MMO... Alors, déjà, qui se joue avec des centaines et des centaines de joueurs. Okay. Euh, qui, euh, donc, euh, c'est deux factions qui s'opposent. Et donc, c'est sur une immense euh, carte euh, d'un pays qui est quadrillé. Et donc, en fait, tu choisis à quelle, euh, quelle euh, portion de la carte tu vas venir défendre ou attaquer. Mmh. Et en fait, tu restes des jours et des jours euh, IRL dans la carte pour, euh, pour euh, participer au combat. Parce que participer au combat, c'est pas juste tirer c'est gérer toute la logistique en fait du jeu okay. donc euh, ça veut dire par exemple tu spawns et tu vas aller euh, récupérer une pioche que quelqu'un d'autre a fabriquée pour aller euh, miner euh, du minerai que mmh. tu vas ensuite transformer dans une usine que quelqu'un d'autre a fabriquée pour la transformer en balle pour la cheminée sur la ligne de front parce que sinon en fait les soldats aliens ne peuvent pas tirer. Oui <laughs> forcément. Ouais. Oui. Et puis bah pareil quand tu spawnes, euh, c'est quelqu'un qui conduit un camion qui a été construit aussi le camion euh, c'est quelqu'un qui fait les allers-retours jusqu'au front pour conduire les gens. Tu tombes dans des embuscades euh, sur le sur le, la route du front. Tout est géré par les joueurs en fait. Tout euh, est géré euh, par, euh, par voilà. les joueurs. Il y a pas de ouais. PNJ il y a pas de d'accord exactement. Ok mais alors là je me dis en fait ça doit être un gouffre à temps phénoménal en fait. Bah ouais c'est ça le problème et du coup euh, bah on en, on en parlait justement aussi pendant la réunion de rédaction pour savoir si on allait le tester. Ouais. Et euh, effectivement, on s'est dit que ça, ça tombait vraiment dans la catégorie des jeux où tu es obligé de jouer, euh, euh, je ne sais pas, minimum 20 heures, si ce n'est pas 60, ah, oui, <laughs> rare. Pour, euh, avoir une vraie, pour voir vraiment tout ce que le jeu a à offrir. Et puis comme c'est du MMO et que c'est entièrement euh, animé par des joueurs, tu as des expériences qui varient tellement d'une mmh, partie ouais, à l'autre, ouais. d'une heure à l'autre, etc. Oui, j'imagine que là, selon, euh, si t'es à l'arrière, en train de réparer des tanks, en train de fabriquer des lignes de chemin de fer, euh, que t'es euh, pilote de char, que t'es... Euh T'as des expériences qui peuvent être complètement différentes en fait. Ouais, quoi. carrément. Bah, bah y... Mais après, c'est ça qui est bien, c'est que c'est la diversité des expériences. Il y a des joueurs, ça les fait kiffer de mmh. juste passer leur après-midi à miner des cailloux mmh. euh, et à aller transporter les fusils tout neufs dans des caisses pour que les gens qui spawnent puissent avoir des fusils pas loin. Ouais, c'est ouais. trop bien. C'est un jeu de guerre pour les joueurs de Stardew Valley en fait. Ouais, c'est ouais, ouais, génial, ouais, ça. <laughs> exactement. Mais euh, après, il y a un défaut quand même. Bah, bon, moi, je trouve que le, les, les jeux qui prennent 1000 euh, heures de jeu pour, pour faire une belle partie, c'est un petit défaut quand même. Oui. Mais euh, <laughs> oui. Euh, surtout, euh, il n'est pas très accessible en fait. Mm. J'ai été très déçu. Je l'ai relancé là du coup pour voir un peu ce que c'était devenu. Euh, ils, euh, ils ont un gros problème d'accueil des, des, nouveaux, des, des nouveaux joueurs. Ouais. Euh, moi, j'ai même pas compris comment. Enfin, euh, j'ai pas compris tout de suite comment euh, aller jusqu'à la zone où il y a le tuto, si tu veux. Donc. Euh, ok. Ah oui. A, donc là, oui. Euh, la en quality plus, of life pour les nouveaux, c'est infernal. Voilà. En plus, ils gèrent très mal l'azerty. Euh, donc, euh, c'est un hmm. peu relou. Mais euh, voilà, pour c'est vraiment une promesse si on si on s'accroche et si on tombe aussi sur une bonne euh, guilde, Enfin voilà, une bonne faction. On est, si on est bien entouré. Euh, et qu'il y a des joueurs sympas, euh, c'est pour la promesse de, voilà, de, de, de ne pas s'ennuyer pendant les dix prochaines années quoi. Alors, j'ai fait une réflexion que euh, tu t'es peut-être déjà faite mais en fait moi tout ce que je vois là et tout ce que tu me décris, ça me donne mes méga envie. Mmh. Mais mon premier réflexe, c'est de me dire mais en fait, euh, j'ai pas le temps en fait. Ah bah... Et je pense que je suis pas le seul parce que j'ai été voir sur euh, Steam Charts, le jeu au, au plus haut, il a pointé à 5000 joueurs simultanés, là il tourne à 2000 et des, et des bananes. Est-ce que c'est pas finalement un jeu qui sort 15 ans trop tard Est-ce qu'un jeu comme ça, il y a, y a 15 ou 20 ans, à l'époque de la grande folie des MMO, est-ce que ça n'aurait pas été un carton absolument monumental, alors qu'aujourd'hui, les gens, ils voient ça et ils disent, ah oh, super cool, mais j'ai pas envie de couler mille heures dans un jeu, en fait. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont encore envie de couler mille heures dans un mmh. jeu. Euh, je pense que c'est pas ça la problématique. Je pense qu'il y a vraiment une, pro vraiment une problématique d'accueil des débutants parce qu'en fait, il s'est vendu à un million d'exemplaires, je crois. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, c'est juste que les gens ne sont pas restés. Et ça, bah, mmh. c'est quand même un bon indice qu'il y a un problème dans le jeu, mine de rien. Ouais. Mais bon, c'est un défaut. Le jeu a beaucoup de qualités pour compenser. On n'est pas du tout en train de dire que ce n'est pas bien. Mais euh, voilà, euh, c'est vraiment, euh, je pense, à réserver aux joueurs qui ont euh, envie de s'accrocher. Et ça, malheureusement, on sait que dans le paysage du jeu vidéo actuel, bah, euh, ce n'est mm -hmm. pas un paysage qui est très favorable au jeu euh, ou euh, qui, qui demande des joueurs très très motivés pour. Voilà, euh, ouais, j'ai quand pour, même deux questions. Parce que moi qui n'ai pas joué, euh, est-ce que c'est possible par exemple de jouer en casu, c'est-à-dire dire, dire euh, j'ai pas envie d'y passer bah, mille heures mais euh, j'ai deux heures à tuer un soir mm. euh, je vais fabriquer des balles et miner des trucs euh, parce que ça m'amuse et euh, je me connecte une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines euh, ouais. tu peux y jouer comme ça ouais, ouais, tu peux bon, ben, du coup c'est comme... pas forcément contraignant bah tout dépend de ce que tu veux faire parce tu que toi ouais, déjà. oui, ah oui, oui non, déjà je aussi mm. j'imagine que genre si tu te dis ah j'ai jamais piloté un tank ah oui je suis pas sûr que enfin, à mon avis c'est un jeu qui doit quand même être très fermé quand t'es pas dans une guild ou un machin comme ça oui, en fait. Ça faut hein. vraiment t'impliquer ouais. à fond. Et puis même si tu te dis bah j'ai une heure, je vais aller me battre juste. Ouais. Bah il y a un petit côté euh, profiteur quand même parce que tu spawnes, tu récupères l'uniforme qui a été fait par quelqu'un d'autre, le mm. fusil qui a été fait par quelqu'un d'autre, tu mm. vas au front. Tu meurs, tu respawns, tu repuises dans les stocks de. Ah oui, ok. Donc, tu vois, un petit côté. Mais il n'y a aucun contrôle là-dessus Actuellement, c'est ma deuxième question c'était que c'est quoi le ratio entre les combattants et les producteurs, en fait bah, Ça, je ne sais pas, c'est une bonne question, effectivement. Parce que si jamais tu as 300 personnes qui produisent, enfin, on ah, n'a pas en de ah, ouais, guerre, ouais. la logistique est plus grosse que l'armée, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et si tu vois toute la chaîne logistique. Bah, je et... pense que c'est un jeu qui est surtout fait pour la logistique, en ouais. fait. Il y a des gens, évidemment, sur la ligne de front. Mais, mais... du coup, tu arrives, pour, être pour la première fois, tu peux dire j'ai envie d'être un soldat. Ouais, je pense, ouais. ouais ah, ouais, donc ça, c'est qu quand même être un problème, ouais. Oui. Parce que là, j'aurais passé des heures à tricoter des uniformes, je <laughs> un peu mauvaise que des <laughs> bah ouais. noobs arrivent et des bousilles. Euh. Bah, oui, mais non, parce que justement, les gens qui passent des heures à tricoter des uniformes, c'est parce que ça les fait kiffer et ils se disent, bah, je suis un rouage essentiel de la, de la chaîne, ce qui est très intéressant, parce oui, que oui. Qu y a ra ra rarement ça dans les jeux vidéo. Oui, mmh, bah, on tricote peu d'uniformes. Euh, on tricote pas assez les, les uniformes, en tout cas, <laughs> ouais. Ouais. Ok, bah, écoute, okay. en tout cas, je sais pas, vraiment, ça, ça me branche à mort, mais voilà, malheureusement. Euh, je me sens pas de me dire ouais allez je vais rejoindre une guilde, on va se donner des rendez-vous à des heures précises machin etc et puis on va former des bataillons de tanks pour avancer ensemble c'est tout le problème de ce jeu qui a l'air incroyable sur le papier et puis quand on voit les images et qui fait très très envie mais personne n'a envie de franchir le pas en fait on a le choix de la perspective par contre ça ça me choque pas plus que ça tu vois la limite mais tu vois là je vois regarde ils sont en train de fabriquer une ligne de chemin de fer et tout Enfin, tu, tu décides pas ça tout seul en fait t'as forcément des mecs derrière toi qui ont, qu ont Alors, la big picture et puis ouais. qui te disent euh, bon attends les rails il faut qu'on les fasse passer comme ça machin à tel endroit et tout parce que si tout le monde prend imagine on est quatre à fabriquer une ligne de chemin de fer en solo sans se concerter oui. la ligne de chemin de fer a fait ça hein, et ça c'est un des problèmes aussi du jeu je pense j'ai l'impression que ça se décide il euh, y a évidemment une stratégie globale qu'il faut décider pour la faction sinon mmh. bah c'est euh, des groupes de trois mecs qui font des trucs mmh. et ça ça fait pas gagner la guerre ouais. euh, mais euh, j'ai l'impression que ça se décide un peu de façon abstraite euh, et euh, au niveau des grands clans etc mmh. et alors que s'ils avaient bien peaufiné ça pour que bah hop t'arrives dans la map et direct tu, tu sais qui est le chef tu sais ce qu'il a demandé comme euh, oui, grandes oui. orientations mmh. etc ouais bon, bah, tu dis ah, ok il faut faire ça bon allez bah, moi je vais mmh. taper des cailloux pour aider machin ah oui, c'est la pas pas perdu hein. c'est pas du tout le cas ouais. Donc, euh, bon. Ok, bah écoute, on va voir comment ça évolue en tout cas, parce que là pour l'instant je suis niveau joueur 2500. Alors bon, c'est suffisant pour remplir les serveurs à 2500. Mais enfin, c'est pas, pas suffisant pour dire. remplir les camions de charbon C'est ça Déjà, et puis aussi, est-ce que c'est suffisant pour remplir les caisses maintenant euh, sur le long terme Bon, tu vois, on sont rendus un million, même s'ils ne sont pas restés les joueurs, je pense que t'as beaucoup de sud indés qui, qui rêvent d'avoir oui, oui, un oui, million de, de, façon, tu de jeux vendus, 5 mais... 5 ans en accès anticipé, <laughs> voilà. à faire plein de mages, euh, si c'est si pas si rendu. Oui, d'ailleurs, oui, ça, fond importante, ça fait 5 ans qu'on en parle, de ce truc-là. Hein. Ouais, ça fait 5 ans qu'on en parle, un... j'avais fait un article dans CPC il y a 5 ans, et euh, bah ça, pour le coup, il faut quand même le souligner, il y a eu énormément de mises à jour, je crois, euh, genre 80, trucs comme ça, et qui rajoutent à chaque fois énormément de contenu, euh... voilà, au début, le jeu, était... il y avait pas grand-chose, et en fait, euh, voilà, ils ont rajouté plein de tanks, de euh, trains. Euh... L'électricité, enfin voilà, ils n'ont pas chômé, quoi, les développeurs. Ok. Et ben, bah, sans transition, puisqu'on parlait justement des ventes de, de jeux vidéo. Le juste prix des jeux vidéo aujourd'hui, ça va être notre grand débat, notre débat à la con. On discute un petit peu ensemble de, bah, finalement, euh, c'est quoi le prix d'un jeu vidéo, comment on détermine, etc. Alors pourquoi on en parle On met un petit peu de contexte. God of War, Ragnarok arrive à 80 boules, 80 balles de jeu tout de suite ça a déclenché commentaire commentaires obligatoirement mais il n'est pas tout seul il n'est pas tout seul on a Ubisoft qui a déclaré il n'y a pas très longtemps que alors j'aime bien si ils se dénoncent un petit peu quand même hein. il y a le côté oui c'est cher mais hey, c'est pas trop de notre faute hein. on, on suit la tendance parce que c'est ce qu'ils ont dit ils maintenant voilà nous nos, nos, nos gros A, pour reprendre l'interme aussi parce que c'est important c'est pas tous les jeux les gros AAA A d'Ubisoft, ils ont annoncé que ils suivront la concurrence et donc ils vont se calquer sur les prix à 70 balles le jeu moi, tout de suite, la première question qui me vient à l'esprit, quand, quand on pense à God of War, Ragnarok, on va commencer par toi, Agar. 80 balles, un jeu, ça te choque ou pas Alors, euh, est-ce que ça me choque Non, les, les développeurs vendent leurs leur, leur produits au prix qu'ils veulent, après les gens les achètent ou les achètent pas. Mm -hmm. T'as déjà des gens qui payent des éditions collecteurs à 120 balles, ça enfin, veut dire il euh, y a une, une question d'élasticité <laughs> du prix, tu vois, avant, les gens ils vont dire, bon mm -hmm. ben, euh, ok, non, c'est trop cher pour moi, enfin, y a, on parle pas d'un bien de première nécessité, quoi. Mm -hmm. S'ils ont envie de vendre leur truc à un truc hors de prix. C'est leur problème. Après, euh, que, pff, après la question, c'est de dire est-ce qu'il y aurait un juste prix pour un jeu Est-ce qu'il y aura un prix où on dit voilà, ça vaut ce prix-là, ça vaut pas davantage Ça devient super compliqué déjà c'est toujours très compliqué. En soi, on doit répondre à cette question. Je pense 2 euros pour tous les jeux. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, pour tu as as de plein d'amis parmi les Mais Miguel. en plus, c'est d'autant plus un problème qu'aujourd'hui, avec euh, les soldes, avec le Game ouais. Pass, ouais. avec Epic euh, qui balance des jeux gratuits, ouais. fin, de gratuitement sans arrêt. La valeur d'un jeu, c'est un concept qui est complètement nébuleux, enfin sur PC en tout cas. Hein. Ouais. Euh, ça n'a plus aucun sens. Mmh. Euh, c'est vraiment, il n'y a plus vraiment d'idée que, grosso modo, dans les années 90, on disait voilà, un jeu ça coûte 350, 400 balles, enfin mmh. francs à l'époque. Franc. Et, mmh. euh, et voilà, moi c'était arrêté. On ouais. c'était dans ces eaux là. Et, euh, et, et donc voilà il n'y a, a plus vraiment une sorte de repère fixe mmh. en plus maintenant il y a les jeux donc il y a les, les jeux indés il y a ouais. des jeux qui mmh. sont des double A ou des choses comme ça il enfin, y a toute une gamme de prix qui va du mmh. truc à 5 balles ou voire mmh. gratuit mmh. à des trucs qui sont vendus 20-30 balles mmh. et donc si, euh, si les conséditeurs ont envie de vendre leur gros triple A 80 euros mmh. à la limite on sait que le développement des jeux est de plus en plus cher et que ça devient absurde, d'où le game as a service qui est un moyen de rentabiliser les trucs ou, les, ou des DLC à plus, à plus finir parce que c'est un moyen de rentabiliser des coûts de production qui sont devenus énormes. Mmh. Ben, très bien. Si les gens jugent que c'est trop cher, ça ouvrira un marché pour les gens qui les studios qui font des jeux plus modestes à 30 balles. Mmh. C'est pas forcément mal. Et après, n'oublions pas un truc qui est important. Je m'étais amusé on a, quand on avait parlé d'émission à rentrer dans un calculateur d'inflation. Combien ça fait 400 francs de 91 Ça fait 95 euros d'aujourd'hui. Donc, ah ouais, quand même. Tu vois, les jeux ne ouais. sont pas forcément plus chers qu'ils l'étaient avant. Mais ouais, euh, voilà. Complètement. Isole. Mais je pense que tu as vraiment mis le doigt sur euh, le, le problème principal, qui est que le, la, le prix plein pot d'un jeu, en fait, ça ne veut absolument bah rien oui. dire, puisque euh, c'est pas le prix auquel les gens euh, l'achètent, sauf de rares exceptions comme euh, un nouveau GTA ou euh, Cyberpunk, euh, voilà, que les gens achètent effectivement euh, Day One, etc. Mais sinon, en fait, les promos ont vraiment... Oui complètement. Tout, tout euh, chamboulé mmh. l'écosystème des prix euh, sur PC et du coup maintenant en fait c'est plus les, les c'est en fait les gens je, enfin les développeurs euh, calculent le prix plein pot de leur jeu aussi en fonction de à combien il sera quand il sera en promo. Oui. Et du coup euh, voilà en fait le, les grands AAA là, qui sont vendus 80 mmh. euros en fait non on sait que s'ils seront vendus à moins 20% mmh. ou moins 50% etc donc mmh. c'est plus ce prix-là, qu'il faut regarder, et se demander mmh. est-ce que ça va être juste ou pas. Mais c'est un gros problème hein, que sur PC, on soit devenu tellement accro aux promos mmh. et aux soldes qu'on euh, n'arrive plus à, à réfléchir ouais. autrement que en ces termes-là. Je mettrais quand même un petit un petit bémol là-dessus. Euh, prenons par exemple, euh, on a trois RPG qui sortent en même temps. Je dis ça parce que es un grand spécialiste des RPG, donc ça va forcément te parler. Donc voilà, jour euh, X, t'as RPG 1, RPG 2, mmh. RPG 3. As RPG 1, il est vendu à 25 euros. RPG 2, il est vendu à 50 euros. RPG 3, il est vendu à 80 euros. Est-ce que tu as la même attente des trois Ah non, complètement. Non, mais c'est exactement ce que disait Sebam. Il y a une gamme des prix qui est très très fine, en fait, mmh. entre les... un jeu qui est à 20 euros, un jeu qui est à 25 euros, un jeu qui est à 30 euros. Et ça, les développeurs qui font des recherches savent très très bien. Euh, à quel prix, à l'euro près, il faut mettre leur jeu pour que les joueurs aient les attentes qui correspondent mmh. à, à ce que c'est. Mmh. Donc, euh, non, non, évidemment. Exactement quand tu vends du pinard, euh, tu oui. <laughs> as différentes échelles et tu que les joueurs n'ont pas exactement la même attente selon le prix qu'ils mettent dans la bouteille. Et, mmh, euh, ça. Parce que ce pas du tout les mêmes pratiques de consommation, en fait. Ouais. Et là, euh, quelque part, non, pour le coup, ça me paraît... Euh, je pense même que ça peut être bénéfique pour, des, pour les gens qui font des jeux, euh, parce que ça fait mmh. quand même très longtemps que des développeurs se plaignent, y compris dans des grands studios que le développement de jeu... Ça, on avait beaucoup, justement, quand il y avait tous le, mmh. les débats sur le game as a service et tout ça, que le développement de jeu était quasiment... C'est pas qu'il était plus rentable, parce que ça rapporte des fortunes, mmh. mais que ça devenait très compliqué. Parce que, déjà, mmh. en termes de complexité technique, c'est monstrueux. Les équipes qu'il faut sont gigantesques. Mmh. Et surtout, c'est... Euh, voilà, c'est énorme, en fait. Le, les, les coûts sont monstrueux pour produire un jeu AAA mmh. d'aujourd'hui. Et, euh, et du coup, et le prix des jeux, finalement, n'a pas changé, voire abaissé. Mmh. Et, euh, et que ça devenait un vrai, vrai problème. Et du mmh. coup, si jamais ils ont envie... De, enfin, euh, je me rappelle, il y avait, quand il y avait eu ce débat-là, et notamment quand il y a eu beaucoup de débats sur le Crunch qui a été rendu public, il y a des gens sur Twitter, euh, dans des trucs de, ga de ben, gamers un peu tu vois, militants, je pense, comme ça, qui okay. disaient Mais nous, en fait, ce qu'on veut, c'est des jeux plus simples, moins beaux, et, euh, mais où on sait que les développeurs seront bien traités. Mmh. Et c'est vrai que si jamais on veut avoir d'un côté, c'est peut-être peut, comme ce qui passait pour le cinéma, hein, on aura des super productions ultra rush, mmh. et peut-être que Ubi ou d'autres feront les vendre 80 euros euh, très bien, mmh. et euh, il y aura. Ça ouvrira une niche pour des productions indépendantes. Euh, un, un peu, plus peu plus comme euh, toutes les marques équitables, etc. Genre du café équitable, ce genre ouais, de choses. Ouais, bah ça va parler de label' C'est juste mmh. quelqu'un dira. Tu as quelqu'un a toujours acheté des jeux AAA. Mmh. Hein, parce que que Il va dire putain cette année le Call of Duty il est à 90 balles. Il pousse un peu. Mmh. Tiens il y a ce petit shooter qui a 40 balles. Je vais prendre ça. Ouais. Tu vois on sait jamais. Ouais, après avec l'argument du euh, commerce équitable. Euh, non euh, là ça c'est canne. Non non mais on peut aussi aller dans l'autre sens. Parce que justement Ubisoft pourrait dire oui notre jeu est vendu plus cher mais c'est pour rémunérer. Les Alors juste prix. Oui, à la hauteur, hauteur de, de leur leur ouais, ouais. Ah, ouais. non, Après, le, aussi, le principe d'un label, normalement, c'est que c'est censé être donné par un organisme indépendant, qui a ah, des critères oui, précis là, de sélection. Non, là, ou là, pas, je ne voilà. parlais pas du tout. On oui, du tout, tout Ce que je voulais dire, c'est que juste, on est, en effet, si jamais il y, y a des grosses, grosses productions qui coûtent très mmh. cher et qui deviennent hors de prix pour certaines personnes, mmh. peut-être que les gens vont dire simplement euh, ben ouais. Après tout, pourquoi on met tant de pognon dans des jeux alors qu'on peut mmh. avoir des jeux pour moins cher qui sont peut-être aussi bien Mais alors, ce, qui, ce qui est... Euh, sans sans je, 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 je termine. Juste, euh, ce, qui, ce qui est un peu gênant, en fait, dans cette histoire, de parce que moi, ça ne me gêne pas non plus que les AAA soient vendus à 80 euros, mmh. mais c'est que ça va faire monter tout, en fait. Parce que derrière, c'est une question des attentes... Euh, et on disait euh, tous les prix n'ont pas les mêmes attentes mmh. qui, qui leur sont mmh. accolées. Ouais. Et donc, si maintenant notre attente pour un grand triple A, un grand monde ouvert, etc., c'est 80 euros. Derrière, euh, les attentes plus modestes qu'on peut avoir, bah, le prix aussi va augmenter. Oui. Quelque part. Après, mmh. est-ce que ce serait mal que le prix des jeux augmente un peu quand il n'y a pas de stats sur euh, le prix moyen que les gens payent leurs jeux sur Steam par exemple je sais pas gagner regarder sur, ça, ouais. ça va se trouver, je, je peux pas pas. Trouver, hein. je se trouver franchement ça c'était pas hein. enfin j'ai pas regardé la première émission j'ai j'y ai pas pensé mais euh, peut-être que le fait que le prix des jeux augmente un peu serait pas forcément dégradant parce on voit des trucs qui sont vendus même des jeux qui, euh, sur lesquels on passe des heures et des heures hmm. sont vendus le prix là, parfois d'un ticket de cinéma bah, c'est absurde le prix des triple A je sais pas parce qu'on sait que c'est des boîtes qui font des profits quand même non, mais je veux dire, le prix des jeux, je dire, comme c'est comme tu dis c'est vrai que si tu augmentes un prix ça risque de tirer les autres prix les prix enfin on sait que les jeux indés sont vendus vraiment Enfin, se sont vendus à des prix complètement dérisoires oui. par rapport à euh, ce que ça devrait euh, coûter oui. et par rapport au, au, à la manne financière que ça devrait oui. donner à leurs développeurs. Ouais. En fait, un développeur, avait un, pont ouais. sur, euh, un développeur qui avait pété un plomb comme ça sur un développeur indé qui avait développé, je sais plus comment ça s'appelait, c'était un jeu où on dirigeait un mec euh, en, vue de, en vue isométrique, là, euh, sorti il y a un petit moment maintenant, il y a 5 ans, 6 ans. Euh, son jeu, il le vendait euh, 14 balles hum. et euh, il avait fait un, un post sur Twitter. Euh, où Il avait screené euh, un avis négatif d'un mec qui disait euh, Le jeu est franchement super, mais euh, maximum 10 euros quoi. Et le mec, euh, donc en gros, avait dit Mais oh, mec, euh, j'ai pris 12 kilos en travaillant mmh. sur ce jeu, je suis sous antidépresseur, mmh. je le vends 14 balles, tu vas me faire chier pour 4 euros. Mmh. T'es vraiment en train de me prendre la tête pour 4 euros là en fait. Enfin, le mec, il était sorti de second et c'était incroyable. Et il avait reçu une grosse vague de soutien parce que les gens disaient Ouais, il y a un moment. Euh, aussi qu'on arrête de faire des, des comptes d'apothicaires, à euh, dire être là, ouais, non, mais là on est à 2 euros près, machin et tout. Y a rond, de de verte, façon en générale, oui. les jeux sont quand même vendus très très peu cher. Il oui, y a une logique mais aussi, le problème c'est que le, le fait que maintenant il y, mm. y a les sols. il euh, y a je ne sais plus qui dans le chat qui disait qu'il y a une différence aussi par rapport aux jeux des années 90, mm. c'est que c'était des jeux physiques à l'époque. Aujourd'hui c'est vrai qu'il y a la dématérialisation mm. oui, qui a baissé oui. les coûts de distribution, mm. mais euh, néanmoins il y a quand même, euh, voilà, il y a quand même une surproduction, une surconsommation aussi quelque part. Les, les coûts de production Voilà, les coûts de production pour les groupes de production exposés pour les jeux indés, non mais on peut encore produire des jeux pour pas cher en fait mm. ouais, ouais. et sûrement plus facilement qu'on pouvait le faire dans les années 90 aussi. pour pas cher mais pour, mais pour beaucoup de temps par pour quoi. beaucoup de temps oui mais ça, oui, ça, ça c'est le cas ouais mais par exemple c'était The Witness quand il est sorti oui. qui coûtait 40 euros je crois mais mm. il avait dit que fait. il ne le passerait pas en il n'y aurait pas de promo avant ouais, un bout de temps effectivement mm. Et euh, ça, ça avait fait scandale à l'époque ouais. parce que bah, c'est qu'un petit jeu indé. Euh, mmh. Comment il ose le ouais. vendre au même prix que les grands AAA A le, le Zeitgeist n'était pas mûr pour voilà, euh, cette conversation. Ça. Maintenant, elle, maintenant, il l'est. Et en fait, euh, en vrai, euh, c'était très bien qu'il y ait un jeu indé mmh. qui soit vendu à un prix un peu fort comme ça pour mmh. dire bah non, en fait, euh, ça, ça vaut euh, plus. -ce que 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 du coup, tu vois, nous ramène toujours à cette question de, de perception euh, et d'attente qu'on a par rapport au prix qu'on va mettre euh, dans, dans un jeu. Euh, Là, je prends volontairement deux exemples extrêmes. Vous avez à côté un jeu à 25 balles, un autre un jeu à 80 balles. On est d'accord que là, il n'y a pas photo. On n'attend pas la même chose de l'un et de l'autre. Là, il y a un glissement vers le 80 euros. Est-ce qu'on attend la même chose d'un jeu à 50 euros d'un jeu à 80 Ou est-ce que, est que ce ne serait pas la fourchette un peu merdique, un peu maudite, où là, finalement, euh, les, les Sony, les Ubisoft et tout se disent Non, mais c'est bon, il faut rater 50 balles en fait. On, on fout ça à 70 ou 80 balles les gens font plus la différence. Alors, Après, leur argument, c'est pas de dire on va le faire payer 10 ou 15 balles de plus pour augmenter la qualité. C'est de dire oui. euh, on le fait parce mmh. qu'on le fait. Tout à fait. Ah, mais euh, complètement. Vois, oui, oui. Et, ils ont, et encore mmh. une fois, je pense qu'ils ont pas complètement. tort. Ils sont ravis qu'ils ont une logique de marché. Euh, là, je hein, dis ça, je ne pense pas être passé pour quelqu'un qui défend inconditionnellement les jeux Ubisoft. Hein. Mmh. Mais, mais <laughs> euh, à la limite, ils ont envie de le faire. Ils ont des coûts de production qui sont très importants. Mmh. Euh, ils peuvent estimer que voilà, leurs jeu mérite d'être vendu plus cher. D'accord. Ouais, ouais, c'est mais... pas pour ça qu'on voilà, que ne les achètera pas ou qu'on les achète Alors, pas. du coup, dans ce contexte-là, on a Godofoire, 80 balles. On a Ubisoft qui nous dit nos gros triple A, je reprends encore une fois leur terme, nos gros AAA, 70 balles. Assassin's Creed, on est d'accord que c'est quand même la licence phare d'Ubisoft, c'est un des plus gros représentants de, 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 de la marque. Le prochain, Mirage, 50 euros. Justement, j'ai en parlé euh, quand tu disais est-ce que cette fourchette là, est-ce que ça signifie encore des choses? Et justement, euh, maintenant, un Assassin's Creed à 50 euros, c'est super chiant à prononcer. Un Assassin's Creed à 50 euros, on n'en attend pas la même chose que de 1 à 80 euros, ouais. et c'est mm -hmm. ça qui a été très malin aussi pour eux, puisque de, 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 de faire ce changement de prix au moment où ils font Mirage qui est un Assassin's Creed, Creed. qu'ils qui <laughs> annoncent comme étant plus ramassé, <laughs> euh, un retour aux sources ouais, ouais. Euh, avec un peu juste de l'infiltration, pas trop le côté euh, RPG, enfin pseudo RPG, mm -hmm. et, euh, et qui durera moins longtemps que les, les mm. vrais, euh, les autres grands Assassin's Creed. Enfin, voilà. <rire> bah <rire> oui, oui, du coup, Et justement, et eux, ils disent, oui, il durera moins longtemps, donc lui, ce sera que 50 euros. C'est hyper malin. Et justement, oui. ça, ça, ça c'est un truc qui va... Cimenter les attentes qu'on peut avoir pour, pour cette gamme de prix aussi. Je veux dire qu'on a pas du marketing, c'est très très brillant ce qu'ils ont mmh, fait là. De mmh. dire, voilà, ils créent quelque part ce que va être ouais, l'éventail du marché du jeu vidéo AAA euh, avec. Ouais. Alors, du dire, coup, moi là, je m'adresse si au. on fait l'annonce en même temps des, des 80 euros, les gens auraient dit, ouais, pour 50 balles, le contenu, il est un peu chiche. Ouais, c'est ça. Alors que là, non. Là, ils très, diront, ah, bah, au moins, c'était pas 80 balles. Ouais, ça, c'est euh, le genre de truc. Là, <laughs> bon, je vais enfin, m'adresser aux au, au journalistes que vous êtes. On va commencer par toi, Isval. Au moment de tester un, un jeu, alors, on est des, des nantis, hein. nous, les, les clés, on, on les a gratuitement, on ne paye plus nos jeux, etc. Bon. Toi, à quel point le prix d'un jeu impacte ta décision finale dans la note Est-ce que toi, tu es du genre à l'occulter complètement, ou est-ce que tu es du genre à dire, euh, c'est rendu trop cher Peut-être bah, même pas assez cher, peut-être que des fois, ouais, tu ouais. peux dire à un jeu, regardez, 9 sur 10, ils auraient pu mettre au double du prix, on n'aurait pas râlé, quoi. Euh, ok, là, la question, c'est pour les notes dans le canard PC Ouais, est-ce que pour toi, donc, euh, est-ce que... Tu sens qu'on met du poids par rapport à ah ça bah Moi, quoi. pour moi, ça n'a jamais, enfin, euh, ça a jamais été ambigu que dans, à Canard PC, on prenait en compte euh, le prix euh, dans la note. Euh... c'est même la doc, enfin, c'est euh... la doctrine. Oui, bah, oui ça veut ça dire qu'on oui, la la parle voilà, non, c'est pas ce soir que j'apprends que j'ai mal compris les consignes il y a 10 ans. Tous les matins, on jure sur le livre de la compta, là, et <laughs> tout, c'est terrible. Euh, oui, bah, non, mais c'est énorme, bah, parce que aussi, euh, à Canard PC, on a un angle un peu de défense du consommateur, et, de... et en fait, on juge aussi les jeux en fonction du rapport qualité-prix, mmh. qui est un peu, alors qui est très subjectif, évidemment, et ça, on l'a jamais caché, mais bon, qui est, ré... qui est réel, c'est un vrai... un vrai ratio euh, qu'il faut parvenir à déterminer pour chaque jeu. Mmh. Et donc, oui, carrément, si un jeu est vendu. Euh, 15 euros ou un jeu qui est vendu 30 euros, bah, ça peut changer un point dans la note euh, mm. ou plus. Ouais, carrément. Et c'est vrai que, on en parlait il n'y a pas longtemps, ce on, on a eu le cas avec un jeu qui était, qui était en test, euh, où euh, jusqu'à pratiquement la veille, en fait on n'avait pas le prix mm. du jeu. Mm. Et on sait que souvent ça pue en fait, quand c'est comme ça. Parce que là, pour que, 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 que l'éditeur euh, refuse de communiquer le prix de son jeu jusqu'à la veille. Oui, c'est qu'il y un loup. Il y a un truc où ils sont, ils sont pas rassurés en fait. Ils sont pas rassurés. Et toi du coup, ailleurs pareil. Donc ton, ton ressenti, toi, chez chez Canard PC en interne, euh, tu, tu t as des souvenirs de euh, d'avoir euh, d'avoir déjà un peu de tacler un jeu parce que trop cher ou Tacler un jeu trop cher, j'ai pas de souvenir. Ça a dû m'arriver, mais je n'ai pas de souvenir. Par contre, ce qu'en général, enfin, où tu testes des triple A, tu sais qui ont des 60 balles, mmh. ou tu testes des jeux indés, là généralement, euh, voilà. Moi, c'est plutôt dans l'autre sens. Ouais. C'est-à-dire des fois, je joue à un jeu parce que j'ai eu la clé mmh. gratuitement pour le test. Et je joue au jeu, je dis putain, c'est quand même vraiment bien, c'est vraiment un bon petit jeu indé et tout. Et je me dis putain, ça vaut bien, c'est 30 balles quoi. Et donc je vais voir pour faire la fiche technique sur Steam et je vois le jeu il est à 10 balles. Tu vois, plus dans un sens -là. Je dis putain, mais c'est incroyable, ils vendent ça à 10 balles alors que moi j'en aurais mis 30 sans problème. En fait, c'est plutôt l'écart entre quelque part ce que j'estime que j'aurais mis dans le jeu si je acheté. Mm -hmm. Et, euh, et ce qui était et ce, que, ce qui est demandé en fait c'est là ouais. que va jouer il y a, a Zaori dans le chat qui dit bah du coup dans ce cas-là il faudrait mettre deux notes et bah tu ne crois pas si bien là parce que ça nous arrive très régulièrement oui. dans le notre avis oui. de dire bah ce jeu-là ça vaut 6. Euh, » oui. Mais s'il si est en promo un jour à 10 balles, franchement, là, pour euh, mmh, bah, bah, le coup, ça vaut. Bah, pas remettez pas un point, quoi. Coup, ouais, ouais. rajouter, deux, rajouter mmh. deux points dans la note. Mmh, ouais. Et moi, pour le coup, c'est plutôt dans ce... quand j'hésite que c'est un facteur très déterminant. Parce que, bon, bah, un bon jeu, ça reste un bon jeu qui soit à 10 euros ou à 80 euros. Mais c'est plus quand tu te dis, ah, celui-là, j'hésite entre 6 ou 7 ou, 7 ou 8, oui, ou 8 ça. ou 8 ouais. 9. Mmh. Euh, là, je vais voir la, la, le prix. Et si ça me semble correspondre à euh, ce que j'imaginais. Euh, ça va, et par contre, si je trouve que le jeu est vendu 20 euros trop cher, bah là, mm. clairement, ça, re, ça va se ressentir dans la note au final. Parce que moi, ça m'est clairement déjà arrivé dans, de monter une note d'un point ouais. en disant euh, Putain, mais, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit vendu aussi peu cher, mm. alors que la baisser, je crois que ça m'est jamais arrivé. Ouais. Parce qu'en général, j'ai rarement des mauvaises surprises pour le prix. Ou alors, si tu, je m'attends toujours à ce que je joue ouais, plus ouais, cher mm. que ce qu'il mm. est, en fait. Ah ouais, parce que moi, et je euh, baisse plus que ouais. je monte. <laughs> si ça m'est si, si, déjà arrivé, mais à ce moment-là, c'est que c'est plus sous la forme d'une autre avis en disant. Euh, ça aurait valu plus si jamais c'était un peu moins cher. Mais tu vois, typiquement, on nous dit que le nouveau Monkey Island est à 23 euros. Oui, c'est ah, absurde. C'est ouais, ouais. horriblement peu cher. C'est un tentacle ouais. ou les jeux équivalents, à l'époque, on les payait mmh. 350 balles, ouais. euh, 20 francs. Ouais. Et ils calculent ça en euros d'aujourd'hui ah, oui, avec l'inflation. Mais c'était trois fois plus cher. Et on devrait commencer à retirer des points si le jeu est vendu pas assez cher. Mmh. Voilà. Oui. Pour encourager les, oui. les gens Monkey ouais. Island, Tout non, Désolé, c'est 4 sur 10. Vous auriez dû le vendre plus cher, là. Ouais, complètement. Complètement. Mais un coup, un macaron, quand un truc est vraiment bon et pas très cher, tu vois, genre. Soutenez le dev, ne l'achetez pas en promo. Voilà, serait vrai. pas ouais. oui. mm. bon. Bah, du coup on en parlait tout à l'heure donc euh, c'est vrai que quand on a des jeux des fois qui sont très chers la, la réponse un peu de, de, des joueurs on sait donc c'est un phénomène qui s'est développé euh, notamment grâce à Steam et ce genre de choses c'est ce qu'on appelle le passion gaming donc pour mm. ceux qui ne savent pas le passion gaming en fait c'est tout simplement bah, si je n'ai pas de raison de jouer au jeu euh, day one, parce que euh, je suis ultra hypé, je vais jouer là, tout de suite, ou parce que c'est un jeu multi, parce que des fois, les jeux multi, ça peut être chiant de démarrer mmh. six mois après tout le monde quand les serveurs sont un peu vides, etc. Et donc, du coup, le passion gaming consiste à se dire bah, euh, ce jeu-là, il est en solo, j'y joue maintenant, j'y joue dans six mois, dans un an, ça changera rien à ma vie, donc je vais patienter, attendre les promos. Est-ce que vous pensez pas que le passion gaming, indirectement aussi, peut alimenter cette course à l'augmentation des prix, parce que finalement, on réduit le scope, on réduit un peu la, la quantité de, de jeux vendus plein pot, Day One. Mmh il faut bien qu'ils se rattrapent en fait, d'une façon ou d'une autre, les, les éditeurs. Donc, euh, bah, hier, ils vendaient ça à 50 balles, ils en vendent moins à 50 balles, Bah faut en mettre à 80 balles, on en vendra peut-être toujours un peu autant, mais du coup, on retombera sur nos pattes. Tu vois ce que je veux dire Je pense que ça un relié avec tout ce qu'on disait sur les soldes, c'est mmh. vraiment la même problématique, à mon mmh. avis. Mais tu disais, euh, j'ai pas de raison de jouer au jeu day one, donc j'attends. Mmh. En fait, c'est même, au-delà de ça, j'ai plein de raisons de ne pas oui. jouer au jeu day one, et d'attendre six mois soit patché, mmh. qui y ait tous les DLC qui soient sortis, qu'il y ait une édition Gotti euh, mmh. pas chère qui sorte, qu'il ait baissé de prix, que les bugs soient résolus, etc. Mmh. Et, et ça, c'est vrai que c'est des arguments qui sont très difficiles à démonter. Et ça, c'est vraiment le, la faute aux grands éditeurs qui ont vraiment euh, mmh. creusé... Euh, leur propre tombe, quelque part, euh, mmh. avec. Euh, ah mais pas encore enfin, encourager cette pratique en qu sortant faute... des jeux buggés, etc. Quoi. Mmh. Et puis c'est aussi un peu la faute de Steam pour ce, ce niveau-là qui est fait ah, qu'il y des ah, oui, oui. jeux oui, oui. pour les soldes. Mmh. Parce que c'est vrai que les soldes, ça a toujours existé. Mmh. Même, je me rappelle, dans les, dans les pages à la fin dans Joystick où il y avait les catalogues de jeux par correspondance que vous pouvez commander, tu avais des jeux qui étaient à 200 francs, ceux qui étaient sortis il y a deux ans ou il y a ouais, un an, tu vois. On les avait pour deux fois moins cher. Mais il n'y avait pas de certitude sur les soldes et il fallait attendre au moins un an. Maintenant, tu sais que ton jeu de 60 balles, si t'es pas débile, tu l'as topé à 40 dans 3-4 mois. Allez, tu vois. Non, À l'époque, il y avait aussi, je me souviens, tous les réseaux de, de jeux d'occasion. Je jeu moi, moi, je me, je me souviens, euh, j'étais parti vendre un, un jeu chez, chez Scoregame. Et tu sais, t'as as, as, as genre 14 ans et euh, t'as des, des entreprises, des grandes entreprises qui rachètent tes jeux sans aucun contrôle, machin et tout. Donc toi, t'as l'assertivité d'une chaussette quand il faut dire mmh. non à un mec qui te dit... Ton jeu, là, je me souviens, le mec, hein, il regarde dans son catalogue, c'était un jeu de bagnole, je crois que c'était un Verali, un truc comme ça, que j'étais parti le revendre. Le jeu est sorti il n'y a même pas un an. Hein, et j'étais parti l'acheter enfin euh, le rendre dans l'espoir d'acheter un autre jeu. Et le mec m'avait filé, c'était en francs, je crois qu'il m'avait filé 30 francs. Ah oui, c'était un prix catalogue, hein, mais vraiment. Hein, et euh, ma mère voit ça, donc je lui explique et tout. Elle apprend que j'ai revendu le jeu 30 francs. Elle est repartie. J'ai cru qu'elle allait casser la gueule au mec dans la. Parce que tu imagines, maman calnost. Hein. Euh, <laughs> voilà. Voilà. C'est pas le gros bras de la famille. Et ouais. <laughs> et et le, le, le mec, du coup, voilà il a rendu mon jeu. Il a pris mon fric et tout le tralala. Mais en plus, même, en, enfin, le vendeur, qui était un jeune mec, il, a, il avait 20 ans. Il a eu toute bonne foi. Il dit bah, C'est pris du catalogue. Je sais bah, pas. Voilà. Quoi. Mais. mais c'est vrai que voilà, à cette époque, c'était. C'était une jeu de aussi. Ils vendaient des bouquins chez Gibert c'est pareil. Parce que par contre, il en vendaient 150 balles le jeu. c'est incroyable à quel point ça paraît exotique, moi, maintenant, d'entendre qu'on revendait les jeux. Oui. Waouh. C'est vrai que c'est un truc qui est complètement parti. Je sais qu'à une époque, il y avait une euh, je sais plus c une pétition ou quoi qui avait été déposée euh, au niveau du Parlement européen euh, pour. Euh... Pour rendre l'argent oui, du, du petit euh, canevas pour de l'occasion ouais, <laughs> des jeux numériques Ouais, tout à fait. Euh, ça, bon, merde, oui. ça avait démarré à cause de Steam notamment, c est, c est, ouais, cette oui. histoire. Et qu'il était question que voilà, on puisse revendre nos jeux sur Steam et tout. Bon, là, on rentre dans ça des mécaniques... C'est comme ouais, sur Steam, on pas, pas vraiment propriétaire de. Oui, voilà, ça pose des problèmes en termes de licence. Exactement. serait sacré bordel. Bon, remarque, le, le RGPD est bien passé. Hein, comme oui, quoi, quand oui, on veut, vrai. on peut arriver. Oui, à, oui. Oh, bah, c'est bien le RGPD maintenant. Hein. Moi, j'ai juste une fenêtre que je ferme sans la lire. En disant j'accepte euh, tout. Voilà, c'est ça, ça. Et juste pour terminer sur les histoires de soldes, euh, c'est rappeler aussi que c'est connu des développeurs qu'un jeu ne se vend pas quand il n'est pas en solde, C'est pour ça que les jeux, quand ils sortent plein pot, ils sont déjà en promo mmh. à moins 5%, oui. moins 10%. Et qu'après, euh, quand la promo se termine, il y a re-une promo euh, mmh. derrière, peut-être mmh. de moins 20%, etc. Parce mmh. que sinon, en fait. Sur Steam, quand un jeu est vendu avec euh, et qu'il n'a pas le petit bandeau moins x%, mmh. personne n'achète. En fait. mmh. ah, c'est vrai. C'est du coup, ça veut dire que le, c'est que c'est compté dans le coût en fait. Oui. Compté dans le prix. Mmh. Le, oui. Mais ce qui est dingue, c'est que même quand tu prends en compte le fait que le jeu va être soldé 5-10% au lancement, et donc c'est pris en compte par rapport au prix auquel ils veulent vraiment le vendre. Mmh. Eh bien, néanmoins, même sans le, la promo de, qui est en fait le véritable prix. Oui. Le jeu reste étonnamment oui, plus cher pour ça, plein ça, de jeux, il y en a plein qui ouais, sont à moins de 20 balles. Oui, ouais, c'est ouais. ouf que ça soit vendu si peu cher. Ouais, clair. Ouais. Mais ce qui est assez dingue, c'est que là je parle vraiment pour le cas strictement français. Euh, on est d'accord qu'il y a des lois qui interdisent les fausses promotions. Tu ne peux pas bananer les gens, leur dire j'ai une connerie, euh, tenez, euh, mon lave-linge, euh, là, euh, achetez-le aujourd'hui, euh, il est à moins 50%, il est à 600 euros. Oui, si la veille. En fait, était, euh, oui, le, le, oui. le prix oui. constaté partout est déjà de 600 euros. Oui, mais vois. là, ce n'est pas une fausse promotion, puisque bah, le jeu non. vraiment vendu à ce prix-là. Oui, parce que voilà. finalement, comme tout le monde peut régler les prix comme il veut, puisque comme tu dis c'est quelque chose qui est très nébuleux, en fait. Mais Donc, limite, là, euh, le problème de la fausse promotion, c'est si tu dis Ma veste, elle est soldée à moins 50, maintenant, elle est à 300 balles, ouais. et que la veille, elle était à 400. Hum. Là, le fait, tu as menti, en fait. Ou alors que tu, tu montres officiellement le prix. Et en fait, la veille, elle, la veille, elle était à 400, et ouais. tu dis dis, bah en fait, non, maintenant, elle est à 300, et le prix d'origine était 600. Mmh. Alors en fait, il était pas de 600, il était de 400. Mmh. En fait, tu as trafiqué le prix d'origine avant ouais. de calculer un faux pourcentage. Mmh. Là, c'est pas le cas. là c'est euh, Oui, euh, tout part du point de la santé, en fait. Et, et le, le, voilà, le, prix le prix de qui débat, la base il ne bouge pas. Ouais. Oui, c'est ce pour fait ça qu'on me disait, même. tu vois, le, le fait que tu aies des jeux qui sortent euh, aujourd'hui directement avec des promos, en fait, les jeux Day One, il y a moins 10%. Oui, Donc vrai. comme tu dis, en fait, c'est calculé dans les coûts de base, en fait, finalement. Donc, bah, il est calculé est par rapport au prix auquel... Qu on, on, on parle vraiment d'une vraie promo dans l'histoire, enfin c'est... C'est les... une promo de lancement, ça reste une promo. N'importe mm -hmm. quel produit peut dire, pendant une semaine après la sortie de, de ma nouvelle télé, de mon nouveau téléphone, vous l'avez mm -hmm. à 5% de moins. Et c'est pour ça qu'on disait, oui, les jeux augmentent, pour prendre en compte justement ce fait qu'ils les... vont être achetés en promo. Bah, mm -hmm. Il faut que mm -hmm. le prix de base euh, augmente euh, et soit très cher. Et puis, au simplement que le fait simplement, je pense que le prix aujourd'hui... Est euh, euh, quand même relativement euh, oui, faible en oui. moyenne le prix oui, oui. que les gens payent leurs jeux. en conclusion, vous, un nombre d'heures passées dessus, c'est ridicule. Hein. Vous vous attendez à une généralisation de ces jeux à, à 80 euros Non, c'est qu'on a eu déjà ce débat il y a quelques années pour un truc qui était sorti à 70, je crois. Ah oui. On avait déjà parlé, alors, je sais pas si on avait euh, C'est pas impossible. Je sais pas. Euh, je pense que ça ne changera pas grand chose à la big picture, tu vois, comme ouais. dirait euh, visuel, parce que. Ben, Finalement, de toute façon, on paiera toujours nos jeu en moyenne 20 balles quoi. Donc. Oui, Les grands triple A vont continuer à sortir effectivement à 80 euros au lieu de 70. Il y aura toujours une partie des gens qui les achèteront des one parce qu'ils font ça ou qui les auront préco. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc vous, si admettons tous, vous récupérez le test de Ragnarok, Ragnarok. Pour vous, les 80 balles, à quel point ça va appuyer dans le test Bah, c'est toi qui va le tester donc. Bah, ça va appuyer ah. dans le sens où pour 80 euros, on s'attend quand même à un jeu très bien fini par ouais. exemple. Mmh, mmh. Donc s'il y a le moindre bug, et tout, là vraiment, euh, il y a une dissonance mmh. qui va être très forte. Euh, voilà, peut-être aussi en question de, de durée de vie, même, même si bon, pour les God of War, c'est pas là-dessus que ça se joue, c'est oui. sur le, le, la valeur spectacle. Ouais. Euh, voilà, le... Donc genre God of War, euh, si t'as, j'ai euh, une connerie, t'as as 15 heures de, de, de grand spectacle sans bug, 80 euros ça, c'est difficile à dire. Oui, il y a quand même beaucoup, beaucoup le de ratio paramètres. heure de jeu, mmh. euro, on peut pas le faire. Et puis, surtout non, qu'ils n'ont pas, qu ils qu ils ont pas dit, simple. on va mettre le jeu 20 balles de plus que d'habitude parce que ce sera une expérience jamais vue avant. Mmh. Oui. C'est quasiment juste vrai, un rattrapage du, de, de, de l'inflation. Ouais. Mmh. Donc, okay. euh, voilà. donc, toi, pareil... tu es... ne pas grand-chose, parce ouais. façon, je noterai un jeu qui est vendu 60 balles. Bon. OK. Eh ben écoutez, ça, c'est bonne parole. Peut-être prendre une petite pause. On va aller se rafraîchir un peu. Tu vas chercher ta banane. Bah oui. Ah, t'as pas le choix là. Là, t'as pas le choix. Là, je te la mets de force. Donc, voilà. Eh ben écoutez, on va prendre une petite pause. On va aller se rafraîchir. Isol va chercher sa magnifique banane. Et puis, on vous retrouve dans quelques minutes. Ok À tout Et nous voici de retour en direct du plateau de Canard PC en compagnie d'Agar, de Dwayne Johnson et de Murray, l'invincible crâne satanique, qui a fait le plaisir de nous rejoindre ce soir. Un petit bisou. <laughs> non Très bien. Moi, je vois surtout morte de, de Planescape Torment. Mais... Oui. Oh, ouais, j'avoue, il y a un petit temps de famille. Ouais, ouais. Bah, les crânes, ils se ressemblent tous de toute façon. Ah bah ça, c'est une grande famille, les crânes. Hein. <laughs> La grande famille des crânes. Là. Bon. On va enchaîner avec une grosse, grosse, grosse actu qui a bien niqué notre week-end. Ah, on était content quand c'est tombé ça. Tu, sais, quand tu, tu sens que tu peux bien évacuer le week-end et penser à autre chose qu'au taf. <laughs> et que d'un coup, tu as un leak cool. monumental de GTA 6 qui tombe du ciel. Avec je pense euh... à Jason Schreiber qui était en congé paternité. Ouais, Con. cool, ouais, ouais. Cool, ouais. ouais. Non, mais Schreiber qui était en non. congé paternité et qui, et qui a dû être content lui aussi. Il euh, y a eu, je ne sais plus combien, 20 vidéos, un truc comme ça 90 vidéos. 90 vidéos. 90 vidéos. Enfin, et apparemment voilà c'est pas du hack pour rigoler là c'est du hack pour euh, soutirer de l'argent euh, à Rockstar, il y a un hacker qui est derrière qui est en train de discuter avec eux, qui les menace et tout le tralala alors que euh, Rockstar voilà. ils ont de l'argent franchement, le ah, franchement. SBI ouais. est, est rentré dans le, dans, dans le, le game là. ouais je pense que là à ce niveau là c'est tout ce qu'il faut faire hein. là, fin, un, un, un cas comme ça tu arrêtes de discuter et tu... parce que qu'est-ce qui te prouve que le mec il est de confiance et qu'il va dire ouais oh, c'est bon, euh, ok j'ai l'argent, allez, allez au revoir, c'est bon, on arrête là, tu vois enfin, t'es sûr de rien en fait et en fait, finalement, fin, quand on voit le, le leak, on n'apprend rien en fait. On n'apprend rien parce que tu dirais, tu, tu dirais ça, tu montrerais ça en me disant ah bah tiens c'est un add-on pour, pour GTA V. À aucun moment je t'étais en me disant ah bon ouais. ouais. Voilà. non mais on apprend des choses quand même. Mais fin... Ouais. vas-y dis nous vas-y t'as alors... un papier vas-y du... ah, oui, oui, oui. en fait ce qu'a a leaké c'est euh, ce qu'on voit euh, donc, un... donc effectivement il y a un mec qui a piraté euh, le réseau de, de Rockstar et qui mmh. a chopé 90 vidéos qui sont a priori des vidéos qui servaient à faire du debug euh, mmh. des tests de, de l'animation etc et euh, donc euh, effectivement c'est euh, des, 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 des petites scènes comme ça de, de GTA 6 bon dans les 90 vidéos il y en a qui durent quelques secondes et il y en a de Très peu, en fait, qui montrent du gameplay qui est intéressant, etc. Celle qu'on voit là, c'est la plus intéressante, sans doute, c'est celle qui montre le, le, le braquage d'un diner par les deux protagonistes. Mmh. Parce que du coup, on apprend, justement, que dans GTA 6 il y aura deux ouais. héros qui s'appellent, euh, euh, du coup, j'ai noté, euh, Lucia et Jason. Tout à fait. Qui a fait encore un même scandale d'ailleurs, euh, parce qu'il euh, y avait une, une femme jouable. Ah bah voilà, oui, là, oui, voilà. Mais ça, 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 ça on on avait prend déjà On avance eu, sur, oui. les, sur les scandales, c'est bien. C'est bien. <laughs> Avant la sortie. Euh, on apprend aussi que du coup, ça se passe effectivement à Vice City, donc, qui était le, 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 la ville qui servait d'alter ego à Miami dans, dans GTA Vice City. Tout à fait. Donc, un des euh, meilleurs GTA d'ailleurs. Ouais. Qui est, qu est sorti il y a 20 ans là, déjà, ouais. je crois. Ouais. Et euh, par contre, contrairement à GTA Vice City, euh, pas, ça ne se passe pas dans les années 70, 80, mmh. euh, etc., puisqu'il y a des smartphones, etc., là, dans, dans, dans ce qu'on a vu. Mmh. Donc contemporain, apparemment. Donc c'est contemporain. Ce qui, perso, m'a me, me, un peu déçu parce que, euh, du coup, la, la, le, le changement par rapport à GTA V n'est mmh. pas énorme, je trouve. Euh, même si, bon, la Floride, c'est un peu différent de, de la Californie. Mais j'aurais bien vu un hein, GTA moderne, mais euh, du coup qui se passe dans les années 80, mmh. ça, aurait été, ça aurait été chouette. Et euh, voilà, il y a très très peu de nouveautés qu'on voit. À un moment, on voit un des persos qui rampent, donc on se dit ah, peut-être qu'il y allait y avoir de l'infiltration, etc. Mais mmh. bon, voilà, c'est oui. spéculation euh, à ce stade. Euh, et surtout, bah, du coup, ça a créé énormément de réactions euh, peu informées et très déçues euh, mmh. sur euh, les réseaux. Euh, internet euh, était une erreur manifestement oui on en a un là qui, qui, a, qui a un peu trop ouvert sa gueule et ça, ça, ça lui a vite euh, ça lui a vite brûlé les doigts là. un type qui a, qui a balancé un tweet euh, non mais hey, attendez hein. le jeu ça va être un bide ça va être un bide parce que on le sait tous les graphismes c'est la première chose qui est faite dans un jeu vidéo en fait ce que je trouve assez dingue c'est que dans ce genre de situation il euh, y a un effet qu'on appelle l'effet de Nick kruger que vous devez sûrement connaître qui se résume très simplement. C'est moins on en connaît, plus on nous sa gueule. Et c'est une telle illustration de ce phénomène, ce qu'on vient de voir. Mais surtout, plus important pour moi, c'est que une telle, comment dire, ça, ça illustre parfaitement la méconnaissance absolue qu'ont la plupart des joueurs de, de la façon dont sont créés les jeux auxquels ils jouent. En fait, quoi. Mais c'est rigolo, c'est que ne fonctionne pas fait fait de savoir. à chaque fois. Et en fait, non, ouais. ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il faut le dire. Voilà. Oui, Ils ne savent que pas. Non, mais il, fait... et puis, il faut expliquer aussi que du coup toutes les réactions déçues, les gens énervés et sans doute les me... des menaces de mort, etc., c'est parce que les gens voient ça et se disent, donc c'est à ça que, que ressemblera GTA 6. Donc, juste deux secondes, mais encore une fois, tu vois, des menaces de mort. Ouais, des ouais. putains de menaces de mais mort. Y a eu des, en des menaces de mort parce que les armes ont été nerfées dans mais... des jeux. Enfin, oui, c'est ouf, quoi. Oui. Ah non, mais ça c'est... Oui, mais d'accord. Et oui, donc effectivement, ce que ça illustre, c'est que les gens ne comprennent pas ce que ouais. ça veut dire mmh. euh, quand un jeu est en développement et, et, et donc euh, mmh. comme tu disais il y a, y a un type euh, dont le, le, le tweet a un peu fait le tour euh, du net qui disait euh, ça, ce sera très décevant parce que on sait que les visuels sont définitifs et du coup euh, les devs de plein de studios dans le monde ont posté eux-mêmes des vidéos de leur jeu ouais. euh, en développement en montrant, en, pour dire bah non vous voyez bien que les visuels ça vient bien après y a, Notamment une vidéo de, de The Last of Us euh, où tu vraiment le perso ouais. qui se balade dans une ville toute grise, pas texturée. Et ce qui était très intéressant, mmh. du coup, ça a permis de voir plein d'images oui, qu'on n'avait jamais cool. vues avant, de early shots mmh. ouais. dans développement du ouais. jeu, ouais. ou même de, en cours de à la moitié, moitié du développement. Mmh. Et c'était super, Yonas, c'était vraiment très, très intéressant. Hein. On avait vu notamment là aussi le, le early shot là, de Sea of Thieves. Oui. Euh, mmh. où les personnages en fait, c'est des, des espèces de tic tac oui. avec des yeux en fait. Bah, c'est <laughs> assez classique d'utiliser ouais. des, des, et des, des tic tac ouais. comme ça. Des, voilà, bah, encore une fois, des cylindres. Ils, ils cherchent juste à tester des, des mécaniques, posteurs, des choses ouais. comme ça. Donc mmh. ils ne vont pas perdre leur temps à faire des persos à Hippolyte, tout là Ça n'a ça pas de sens quoi. Mmh. Mais c'est vrai que voilà, ce que, ce que je trouve vraiment intéressant dans, dans cette situation, c'est que ça a vraiment souligné encore une fois la, 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 la méconnaissance absolue d'une très grande partie du public en fait pour pour la conception des, des jeux vidéo et, et j'imagine que quand on est développeur et que du coup voilà on, on sait comment ça fonctionne automatiquement on sait quels sont les rouages et tout le string et qu'on voit Dark Naruto 67 euh, qui débarque sur Twitter pour nous insulter et euh, qui est persuadé de nous expliquer notre taf alors qu'en fait il panne à rien à rien putain faut avoir des nerfs bien, bien sanglés en fait, quand rigolo Je ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure par rapport à la réaction qu'il y a eu, alors, même c'est pas pour... parce que c'est un jeu en cours de développement, mmh. parce que ça n'a pas changé en cours de route, mais pour, la... pour Monkey Island. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est propre aux jeux vidéo, mais encore une fois, ce pas un scoop là. Hein. Mmh, mmh. C'est que voilà, il n'y a aucune autre industrie. Il peut y avoir des gens mécontents qui vont râler ou qui vont être extrêmement insupportables dans les fans de cinéma, ou... mmh. mais tu n'auras pas des menaces de mort comme ça. Ou alors c'est mmh. exceptionnel et c'est mmh. un événement quand ça arrive. Oui, c'est sûr. Mais là, ce qui est rigolo, c'est que du coup il y a eu d'un côté plein de réactions qui disaient bah c'est vraiment pas cool ce qui est en train d'arriver à Rockstar mm. et parce que justement les vidéos qui liquent, les gens ne comprennent rien à rien et euh, s'énervent euh, alors qu'ils sont juste mal informés mais d'un autre côté si les gens si le public ne, ne sait pas à quoi ressemble un jeu en développement si le public ne comprend pas que les jeux ne poussent pas dans les arbres et, et on mm. les cueille quand ils sont mûrs mm. euh, c'est parce que, justement, l'industrie ne montre jamais de ouais. vidéos de développement, et tout. donc mmh. c'est un peu le serpent qui se mmh. la queue. Là. C'est vrai que, et non seulement oui. ils ne montrent pas de vidéos de développement, mais en plus ils trichent. On se souvient de la fameuse, oui, euh, enfin, le fameux oui. scandale Watch Dogs, mmh. où ils avaient montré des, enfin des fois, ça s'est un peu calmé, hein. ouais. mais à une époque, ils montraient des, des images en développement qui étaient tellement bullshitées que c'était mmh. quasiment, en gros, c'était quasiment un c'était tellement retravé que c'était quasiment un truc pré-rendu, tu vois ouais. Et, euh, et oui, c'est vrai que jamais. Et d'ailleurs, c'est con parce que ce sera vraiment de l'éducation du public. Hein. Si vous aimez les jeux, bah on vous démontre d'abord un trailer qui fait très envie et tout. Et après, on va vous montrer un peu comme c'est. Mais pas juste trois interviews de développeurs qui disent c'est le meilleur projet sur lequel j'ai travaillé de ma vie, mmh. tu vois, comme on a à chaque fois et c'est complètement inepte. Là, ils vous montreraient vraiment ce qu'ils sont en train de faire avec, euh, pas, tu vois, pas juste modèle 3D, mais vraiment. Alors là, voilà comment on fait pour les hitbox, les machins comme ça. Ce serait, je pense que ça intéresserait plein de gens. C'est ouais, vrai ouais. que c'est un truc que l'industrie ne montre pas. Et quelque part, même si évidemment, c'est affreux ce qui arrive à Rockstar. C'est terrible que ça arrive à eux parce que Rockstar c'est vraiment une boîte qui jouait là-dessus. C'est-à-dire ouais. une boîte qui communiquait très peu sur ses jeux. Ouais. Il y avait un côté très mystérieux, genre on vous balance un logo sur Twitter et ça fait un million de retweets. Et, euh, et à la fin il y avait un produit qui était souvent de très très bonne qualité mais qui sortait d un peu de nulle part. Il jouait beaucoup sur la mystique, le secret et tout. Et pour une boîte comme ça, avoir un leak qui monte des machins où il y a des RMGUI euh, par-dessus des consoles de débogage et tout. Putain, ça fait mal, quoi. Ah, horrible, Parce que eux, ouais, ouais. ils veulent pas. Voilà, ils veulent. C'est un peu comme le magicien dont on révèle le tour, tu vois. Ouais, et ouais. ça, ouais. ça, ça doit être très dur pour eux. Ouais, mais c'est vrai que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure là, l'aspect. Enfin, euh, quelque part, peut-être qu'effectivement, ils payent, même si bon, le mot est un peu fort, mais ils payent le, le côté extrêmement secret de toute l'industrie du jeu vidéo, en fait. Ou comme le dit Sansarayakbou, c'est dans l'industrie du jeu vidéo, tu demandes leur, tu, tu demandes l'heure un développeur, il faut que tu lui signes un NDA, en fait. Voilà, là aujourd'hui, quelque part, euh, les développeurs qui disent euh, Ouais, mais bah, attendez, euh, vous parlez sans savoir, bah, vous nous cachez tout, en fait. Mm. Vous, vous nous cachez tout, donc euh, oui, forcément, le public part sans savoir, en fait. Donc, quelque part, je, même si je ne cautionne pas euh, non, les, non. les réactions du public, qui des fois sont juste désastreuses et juste complètement mais, absurdes, mm. mais mm. je comprends qu'on en arrive là, en fait. Oui, non, et, puis euh, le, et puis le leak, en plus, enfin, le leak en soi, c'est un problème, parce que pour une équipe, c'est pas cool d'avoir. Euh, quand tu travailles sur un truc, tu prévu mmh. de faire une annonce et on te l'annonce avant, on te coupe sous le pied, c'est pas mmh. sympa quoi. Mmh. Mais euh, sans même parler du côté légal de la chose. Mais mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un dans le chat, j'arrive pas à lire parce que je vois rien, <laughs> qui dit qu'il devrait sortir en early access. Mais c'est vrai que c'est pas <laughs> con parce que l'early access, ça fait partie un peu de cette ouais. éducation populaire. Ouais, ouais, C'est-à-dire que les gens ont pris l'habitude, sous matin qu'il y a des jeux qui sortent en early access, franchement, c'est pas des protos mais pas loin. Mmh. Et ils ont pris l'habitude de dire voilà, on va vous montrer un jeu, Bah, il, les collisions marcheront pas, il manquera des graphismes, les animations laisseront péter ou il y aura des placehold mais voilà, bon, c'est pas vraiment des, des tic-tac, tu vois. Mmh. Ils sont quand même, c'est quand même un niveau un peu au-dessus du des développement. Mmh. Mais euh, voilà, c'est pas uniquement des gens à qui on présente dans des salons des, des vertical slice ultra propres, mais... faire croire que le jeu est fini alors qu'en fait, ouais. pas du tout ouais. et que derrière il y a les câbles qui pendouillent, tu vois. Ah, chat qui pense ça, à nos yeux et qui est en train de nous booster ouais. le, la taille du chat, genre par 4000%. Ah, merci. <laughs> tu sais qu'on est vieux maintenant, faut nous mettre des gros trucs. En et, en euh, euh, et ouais, ça, c'est euh, ça vrai que c'est une éducation qui n'a pas eu lieu auprès des joueurs de tripleur en fait. Dans toutes ces histoires-là de, 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 de leaks, euh, on pense, voilà, euh, mais les ventes, les machins, les trucs, etc. Bon, ok. Euh, par contre, euh, je pense que dans cette histoire, il va y avoir quand même des grandes victimes. Euh, C'est les employés de Rockstar, en fait. Et notamment, Isol, tu m'en parlais tout à l'heure, et euh, tu as un avis assez raté sur la question, que vas-y. A, a, euh, oui je, je me souviens pas que j'avais un avis arrêté mais, euh, mais en tout cas oui bah, Rockstar c'est sûr comme on le disait avant c'était une boîte hyper secrète et puis justement une boîte qui avait commencé à s'ouvrir justement et à se dire bon c'est peut-être pas grave si euh, on retient pas prisonniers nos employés dans les locaux euh, mmh. toute leur vie euh, oui, c'est ça, que suite là, au confinement ils, voilà. ils sont comme tout le monde ils sont ouverts au télétravail pour tester et voir comment ça marche quoi et là boum mmh. et là il y a ça alors mmh. le fait que ça a été confirmé finalement que ce soit vraiment un vrai piratage et pas un employé qui ramenait des vidéos oui, chez lui sur le ouais, USB. Ça vaut mieux pour eux. Ouais, je pense que déjà, ça ne va peut-être pas avoir les conséquences catastrophiques. Sauf que pour que le mec imaginé. qui est de la sécurité réseau. Et oui. <laughs> bah, et on, et en plus, on ne sait pas s'ils ont piraté. Si oui. on se trouve c'est un piratage un, du réseau d'un employé chez lui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. ça. Mais euh, donc, peut-être que ça n'aura pas beaucoup de conséquences, mais on peut craindre pour les employés, malheureusement, que le management se, se, se dise Bon, bah maintenant, tout le monde retourne au bureau et puis mmh. euh, on fouille les sacs à la sortie. Quoi. Et c'est vrai que pour une entreprise, justement, comme le jeu vidéo, qui est très, 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 très euh, protectrice et le télétravail, ça a dû être une horreur. Ouais. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de contrôler les fuites quand les gens ils bossent dans ton bureau, enfin dans tes mmh. locaux, que quand tu as des employés aux quatre coins du globe ou même de la ville euh, chez eux. Quoi. Ouais. Goliot, il dit, vous n'êtes pas en train de faire euh, d'un zozo une généralité Non, non, en fait, les réactions euh, ont été euh, massives euh, oui, et euh, mm. très négatives sur, sur Twitter. Oui, vraiment. A, en fait, au-delà du même euh, qui est né à partir de, de, de la réaction de l'autre Tobel. Oui, c'est euh, sûr c'est une personne. Oui, voilà, c'est sûr c'est une personne. Et donc, du coup, ça a déclenché ce, ce même. Mais en fait, là, depuis le début de la fuite, on a régulièrement. J'ai vu, en fait, parce que je, je suis beaucoup de, de développeurs sur, euh, sur Twitter. Et j'ai vu passer régulièrement des, des réactions intéressées euh, de développeurs qui disaient putain mais en fait, enfin euh, oui, enfin oui oui en fait vous, vous découvrez là qu'aujourd'hui hein, que, que une vidéo d'une un, bêta ou d'une alpha d'un jeu de 2020 qui n'a pas encore de date de sortie, oui c'est pété en fait, mmh. ça vous surprend ça? Nous, franchement de ce qu'on a vu là pour un jeu qui sort dans deux ans c'est oui. pas si pété ouais. que ça hein. ouais. Ouais, clair. on a des early d'accès sur, euh, sur Steam qui sont beaucoup plus longtemps que ça quoi non, Donc, un... Même, un jeu qui est dans deux ans de développement des fois c'est pas du tout dans cet état là bon là, évidemment mm -hmm. on devrait utiliser des assets et des trucs et je pense que ouais, ouais. le... 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 d'un jeu à l'autre il y a un roulement mais quand même l'un des aspects du problème c'est que GTA particulièrement c'est un jeu qui s'adresse à une frange de la population qui ne sont pas forcément les joueurs acharnés mmh. qui suivent ouais. les actualités du ouais. jeu vidéo qui euh, voilà sont peut-être un peu mmh. plus informés que, que la norme on peut le dire comme les joueurs de FIFA quoi voilà non, <laughs> non mais voilà il s'adresse à, à des gens qui potentiellement ne jouent <coughs> qu'à GTA oui. et ne s'intéressent pas du tout au reste etc oui. et donc qui voient passer ces vidéos là quand ils voient passer ces vidéos là ils euh, sont euh, très mécontents ok alors moi du coup il y a un truc que je trouve assez intéressant parce que ça nous fait une belle transition pour notre prochain sujet le fait que là, les gens comprennent pas trop euh, les graphismes, machin, à quel moment c'est fait et tout le bastringue, euh, bah en fait, on n'a pas qu'une des ronces parce que là, on a, suite à ça, là, on a GeForce qui arrive et qui fait Eh, regardez votre jeu, tout, votre jeu tout pourri, là, en deux clics, on en fait un truc génial. Mmh. Donc ça va être un peu confusant, je pense. Agar, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu On a ouais. ça le RTX Remix. Voilà, ça alors, c'est parmi les dernières choses qu'a présenté euh, Nvidia, notre présentation. Il ouais. y a eu ce fameux truc qui s'appelle le RTX Remix. Et en fait, l'idée à la base, c'est de dire, on va vous permettre d'ajouter du RTX dans tous les jeux, y compris dans des vieux jeux. Okay. Jusque là, bon, ok, tout que le RTX en soi, ça n'apporte pas grand-chose, ça mmh. enfin, améliore l'éclairage évidemment, mais le mmh. RTX. En gros, c'est du, du ray tracing. Voilà, parce que du coup, ça fait des simulations de lumière beaucoup plus réalistes. Mais ben, voilà, tu vois, okay. immédiatement, en fait, là, ça simule vraiment les rayons de lumière depuis leur source jusqu'à la caméra, avec tous les reflets et tout. Donc, ça donne une épaisseur à la lumière, si tu veux, qui est vachement plus intéressante et plus réaliste. Si je peux permettre une parenthèse pour aussi préciser un truc c'est que dans la plupart des moteurs de, de jeu en fait si tu veux dans le monde réel la lumière rebondit sur différentes surfaces mmh. et ce qui fait que genre tu vas mettre une lumière sur ton mur blanc qui va ré ré rétroéclairer si tu veux la pièce derrière dans ça, de la plupart des moteurs de jeu une la nuit. Voilà, voilà dans la plupart des moteurs de jeu en fait euh, tu vas mettre une lumière qui va éclairer le mur blanc tu vas avoir un rond blanc lumineux sur le mur mmh. point le RTX, lui, en fait, bah, il arrive à calculer sans foutre le moteur à genoux euh, bah, les différents rebonds Gigi, que ça il va Il, te fouille, créer, il etc. Joue, <laughs> euh, et y a des, des résultats en FPS qui sont très bons. Oui, hein, c'est mieux qu'avant. Tu, mieux qu tu, tu, ça, ça tu fous, vois, euh, Flat Simulator, là, qui font monter à 160, mmh. euh, 120 FPS, euh, alors qu'il faisait tousser les machines à sa sortie. Mmh. Ça va. <laughs> Mais c'est vrai. Voilà, vrai, voilà. oui, voilà. vrai que le, le RTX, c'est une grosse, grosse avancée technique, mmh. même si elle n'est pas aussi révolutionnaire qu'on aurait pu dire. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir maintenant être capable de le faire en temps réel. Mmh. Avant, il n'y avait que Pixar qui faisait ça en mettant une, une journée à faire une frame. Tu vois. Mmh. Mais, euh, mais là où c'est intéressant, c'est que là, ça va au-delà de ça. C'est pas juste dire, on vous met du RTX dans des vieux jeux, comme il y a déjà eu des remakes de Quake 2, je crois, ou des jeux oui. comme ça. Là, c'est en gros, c'est un kit complet qui un peu comme le truc de Nvidia pour prendre des photos, cest qu'il t'arrête le jeu, et là tu peux déplacer la caméra comme tu veux pour prendre des photos mmh. dans l'angle, et ben là en fait ça te bloque le jeu, ça te prend une sorte de pipeline de, de tout le render du jeu, donc tu as les textures, les modèles 3D, tout ça, ça te les sort dans un outil et là tu peux les retravailler. Et En gros, c'est censé être un outil. Ça les, donc, les exportes dans un format qui après peut être importé dans Maya ou tout ce que tu veux. Et en gros, pour les modeurs, c'est vrai que c'est génial parce que là, bah, il montre l'exemple avec Morrowind et c'est absolument incroyable. -dire tu peux extraire chaque élément. Tu vois, en gros, tu fais une capture du jeu. Hein, tu t'arrêtes dans le jeu, tu fais pause, ça t'extrait tout et tu vois, le, la vidéo est dingue. Tu as tous les modèles 3D un par un. Tu peux les prendre, les retoucher, les réintégrer, etc. Et donc pour des modeurs, ça va être génial. Ouais, mais c'est pas du tout, du coup, comme ils laissent entendre dans la vidéo, euh, un, un bouton sur lequel tu appuies voilà. pendant que tu joues au jeu, et euh, tout d'un coup ton jeu est magiquement alors, euh, sublime. Voilà, mais alors ils, alors, ils ont essayé d'automatiser le process le plus possible. Par exemple, y a, ils ont une IA qui améliore les textures. Okay. Donc, en groupe, l'upscale de texture, il y a plein plein de modes pour des vieux jeux, bah c'est pas toi que ça, qui j'apprends tu sais, ça, qui font des packs de textures HD mmh. pour des vieux jeux. Et bien bah là, au lieu que tu as un mec qui se fasse chier à rajouter une détail map sur un, des centaines de textures, là, tu as une IA qui va dire, OK, ça c'est un tapis, bah, je vais rajouter des mmh. détails sur les fibres du textile et tout. Et bien, bah, tu vois le résultat, c'est quand même très très bien. Ouais. Hop, apparemment, officiellement, ça, ça a été quasiment fait uniquement avec leur IA, okay. à part quelques retouches à la main, on voit vraiment une lampe qui déconne et le mec qui bouge la source mmh. de la lumière, etc. Mmh. Mais, euh, mais c'est quand même ultra impressionnant. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ils te le vendent comme un bouton joli sur lequel ouais, ouais, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment, ben on en parlait justement par rapport à la méconnaissance des gens, euh, c'est qu'on a ça notamment régulièrement, à chaque fois qu'une nouvelle version de DirectX sort, ouais. vous allez voir les forums mmh. et les gens sont là, tous les jeux vont être super beaux grâce au prochain DirectX. Alors que non, hmm. ça va rajouter de nouveaux éléments, de nouvelles explo... façons d'exploiter le GPU, éventuellement des optimisations, des trucs comme, euh, je sais pas, des types d'aliasing, des des, 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 des en dans modèle 3D, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça ne va, voilà, va pas transformer un jeu tu vois, comme ça. Ouais. Et donc là, il joue un peu sur le côté on vous a fait une machine qui va transformer Morrowind en Morrowind HD, tu vois, de façon grotesque avec un bouton, alors que non. Oui, la pipeline de travail que ça donne est génial, parce que tu n'as plus à tout exporter un par un mmh. pas pour des modeurs qui font des modèles, des modes HD, c'est génial. Mais il y a quand même des heures et des heures et des heures de boulot humain derrière oui, pour avoir oui, ce oui. résultat. Quoi. Et quand même beaucoup moins grâce aux IA. Quoi. Beaucoup moins. Si, ça, ça, mmh. ça, après, pour le travail de masse, comme faire un mode. Et d'ailleurs, ça, j'avais pas mal expérimenté avec Midjourney ou des trucs comme ça, ou Dali. Ouais, pour l'Upscale de texture, les IA maintenant, c'est ouf. Tu sens. mets une texture de Doom, tu mets. C'est un mur en pierre, il te sort le même mur, mais détaillé, mais. Euh, comme si c'était un jeu qui est sorti hier. Quoi. Est ça, on ne se rend pas compte à quel point les, les IA c'est un, un game changer, ouais. euh, comme on dit, Enfin, une, voilà, une révolution dans, pour ce genre de taf. Dans, le, la, comu... Petite anecdote. dans <laughs> la communauté du modding Fallout, si tu veux créer, par exemple pour Fallout 2, un nouveau perso jouable qui est euh, le même perso que celui d'origine, mais avec des cheveux longs, mmh. il faut que tu retouches 7850 sprites à la main. Mmh. Ah, pour les jeux avec ah des ouais, faut faut tirer, tirer. là, quand même, hein Et, euh, <laughs> et euh, des gens l'ont fait. Putain. Des gens l'ont fait, et même plein de fois, parce qu'il y a, y a oh plein là de se jouables là maintenant là qui là existent. Là où, là bah, là bah, du coup, le compagnon, à la base, il peut pas, on peut pas lui donner un sniper parce mmh. qu'il n'y a pas les sprites pour, pour porter mmh. un fusil. Il n'y a que le sprite où il porte une mitraillette. Donc, des gens hop l'ont créé, et ça, c'est pas 4000 frames mmh. à faire. Ouais. Avec une IA. Mais je pense que ces gens doivent blêmir. De voir maintenant les IA et se dire toutes ces années que j'ai passé à retoucher mmh. des sprites tout seul dans ma chambre. Mais surtout que maintenant tu as des IA qui arrivent à faire des trucs de dingue. Genre tu, tu, un, tu dessines un bonhomme, mmh. tu vois, ou n'importe quoi, un truc, et, elle, et ça t'en fait un modèle 3D en fait. Ouais. Parce qu'elle ouais. va comprendre ouais. la perspective. Alors évidemment, il n'est pas parfait, faut qu'un artiste repasse dessus, mais pour faire du travail de masse oui, ça fait de pour dégrossir le alors. taf, ouais, ouais. Ah, mais ça ouais. va être incroyable, ouais. incroyable pour ça, mais il y a quand même pour l'intégration après derrière et les finitions, parce qu'il y aura forcément des milliers de petites merdes à corriger. Oui. Euh, voilà, c'est pas un bouton, on <laughs> rend le jeu joli comme ça. Et ça donc, voilà. tellement bien cette chose ton jeu est un bouton ce cela joli. Dit, cela dit, <laughs> euh, euh, parce que les gens sont, il y a forcément ça fait râler les devs, notamment qui disent les gens comprennent pas notre travail. Ouais. Et, euh, là, il y a euh, Dali 3 de GPT3, le, les dernières AI des de trucs de pénalité qui. Bon, je lui ai dit en gros. Écris-moi le code source en JavaScript d'un petit jeu. Ouais. Il m'a écrit le code source complet d'un pierre-feuille-ciseau en JavaScript. Comme ça. Fonctionnel, je pense on est d'accord. Je pense qu'il l'a piqué quelque part, mais oh. je l'ai recherché sur un date je ne l'ai pas retrouvé. Ouais. Je pense qu'il l'a remixé à partir de différents éléments. Ouais. Il a dû dire petit jeu en peu de signes, pierre-feuille-ciseau, ça passe, et voilà. Et, euh, et essayé de lui rentrer des paramètres, je lui fais, ai dit, moi un petit jeu de rôle et tout, et il y arrive. Quoi. Wow. Il te génère du code Fâche. fonctionnel. Alors, bon, c'est pas demain la veille que tu diras, bien sûr. Ça vite même. Mais hein. c'est franchement j'aurais pas cru ça possible ouais. Euh, ouais. parce que là tu prends les, les fameuses IA justement, là, qui, 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 te, qui te passionnent beaucoup en ce moment il y a encore pas si longtemps tu lui disais euh, dessine moi un portrait de machin et il te sortait un machin digne de Lovecraft qui était comme ça ouais. euh, mmh. là aujourd'hui tu vois avec Midjourney et tout il te sort des portraits tu fais ouais. ah ouais, ouais ça, ça va très vite, il y a des professions ouais. entières qui commencent à se dire ok peut-être que dans 5 mmh. ans en fait on est obsolète et on est remplacé par des ouais. IA mmh. ce qui à mon avis est peut-être un peu plus compliqué que ça parce que avoir des, des IA qui font un, une très belle image mmh. à partir de paramètres que tu lui donnes, OK. Avoir une, une IA qui te donne une très belle image qui correspond exactement à tes besoins, ouais, ouais. on n'en est pas encore. De ouais. pour, pour, enfin, pour les gens qui font de l'art ou des trucs très, très précis ou des commandes très précises, il n'y mmh. a pas de risque. Par contre, pour l'illustration. Tu vois, je serais par exemple un mec qui fait les petits dessins dans les marges, dans les bouquins de jeux de rôle. Ouais. J'ai fait des tests en disant, euh, j'ai ouais. fait une créature euh, style un peu aquarelle, obscure, d'une créature tentaculaire dans les rues de Paris avec mid-journée. Mm -hmm. Putain, mais je suis leader d'un de, de, bouquin de jeux de rôle, mais je le mets dans les marges sans problème, ça ouais. reste tout seul. Personne ne ouais. verra que ce n'est pas fait par un humain. Tu, tu vois, je repense là, à, à un métier que j'avais découvert en fait quand j'avais visité à l'époque, c'était ArenaNet. On était partis voir Guild Wars 2. Mm -hmm. et non, euh, non, on n'est plus du tout le même sujet, ils, par ailleurs. Enfin, euh, directement. Et euh, il nous faut rentrer dans un des bureaux. En fait, ils disent Bah, là, donc ici, euh, c'est l'équipe qui est en charge de dessiner euh, toute euh, l'iconographie, les icônes, etc. Mmh. Du, du jeu. Et ils genre peut-être une dizaine. Mmh. Et donc, du coup, comme ils il étaient au courant de nos etc., donc tous les employés travaillaient sur des trucs qui n'étaient pas un peu secrets, touchy, etc., mais ils travaillaient sur d'autres trucs, quoi. Et donc, on passait un peu dans leurs épaules et tout. Et genre, je me souviens, il y avait une meuf, elle était en train de dessiner une icône de tomate, en fait, quoi. Mm -hmm. Et je me dis, mais ça, maintenant... <laughs> elle s'est retournée vers toi, tes yeux, <laughs> elle pleurait. Elle pleurait. Elle des tomates depuis huit jours. Tu te dis, par contre, voilà, si ça, c'est une grande partie de ton, ton métier, là, d'un coup, par contre, ouais, là, tu peux, je pense que tu peux légitimement te sentir menacé, en fait. Parce que là, tu as une idée, tu dis, euh, sors-moi des icônes de légumes... En 15 ah secondes, tu as des hein. icônes, quoi. Ouais, fait, tu ouais. avec, des, tu prends Dali 2 ou des jeux comme ça, que mmh. des icônes, il peut te sortir en pagaille. Il peut même mmh. te faire, à partir d'une icône, et c'est là où ça devient terrible, c'est que tu lui donnes une icône et tu dis, je veux, tu vois, je peux une icône de tomate, ouais. et tu dis, j'aimerais une icône de poireau dans le même style graphique, mmh. et ils te font fait une, et elle sera parfaitement intégrée dans le style d'icône, parce qu'il aura su reproduire le style, tu vois. Mmh. C'est, oui, c'est assez... Euh... Ok. Mais donc voilà, pour en revenir à l'histoire voilà, de, 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 de GeForce... Il y aura quand même du travail humain derrière pour... Euh... Tout ça s'est accompagné euh, de, des annonces pour euh, les prochaines euh, séries 4000 de, de GeForce. Et d'un euh, remake de Portal aussi en RTX. On va pas se mentir, hein, c'est pas encore maintenant qu'on va changer les cartes 3D. Hein. les, les non, tarifs entre 800 euh, et 1500 euh, balles... Euh, oui, hein, voilà. Par contre, ce qu'on peut peut-être espérer, c'est que ça va peut-être commencer à amorcer euh, la descente, qui a déjà d'ailleurs bien commencé, hein, la, 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 la descente des prix de la génération mm. 3000. Peut-être que cette génération va nous permettre d'accéder à la génération 3000 à juste des prix normaux et pas mmh. des prix complètement pétés comme on a encore le cas un peu aujourd'hui. Écoutez, on a bien travaillé. un on a, on quiz a... maintenant Oui, un quiz. Euh... Un quiz. Alors, c'est quoi Je vais faire un truc qu'on fait pas d'habitude, mais parce que bah, voilà, j'ai oublié. Euh, vos tableaux à feutre, je vais les chercher. Oh. Oh. Il va chercher les tableaux à feutre. <laughs> Il n'y a pas du tout de jingle. Là. Jingle, chat! Oh Je peux tout dire ici. Il n'y a pas de jingle. Ah. Voilà, là, donc. Avec Agou à l'arrache. J'ai l'impression qu'on est des enfants de divorcés avec Izual. Avec Agou, on n'a pas des. <laughs> <laughs> De avec donc, bah, je suis désolé, ça l'arrache, donc euh, je n'ai pas de chiffon à vous donner pour essuyer vos tableaux à feutre, donc vous allez essuyer ça avec vos, vos gros doigts tout gras, et moi aussi d'ailleurs. Le quiz de ce soir, on va faire appel un petit peu à votre culture de l'anecdote hein, dans le jeu vidéo. Je vais vous citer une anecdote, propre à un jeu, et vous allez me dire bah, si c'est vrai ou si c'est faux. Il n'y a pas, pas le plus quiz ça. kit? Ça, quiz kit, normalement, c'est lancé! Voilà, donc vous pouvez jouer avec nous en vous inscrivant sur Quizkit. Alors j'ai jamais compris comment ça marche. Hein. Apparemment c'est une technologie GoAuld de ce que m'a dit Chat. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Normalement vous pouvez rentrer votre, votre pseudo et puis bah, si vous n'y arrivez pas, bah écoutez, euh, voilà, prenez la stargate et puis allez demander au GoAuld parce qu'apparemment il y a que gens qui savent comment ça marche. Chat, ja, tu me dis quand tu es prêt. T'oublies pas que les visuels c'est en réponse, sauf quand je te le demanderai. Fais pas de bêtises. Bon, donc t'attends que je dise ma question et tu pourras ensuite afficher le quiz kit pour que les gens répondent, comme ça personne ne sera paniqué. Ma première question le jeu vidéo Aladdin sur Mega Drive, sorti dans les années 90 à l'occasion du film. Et bien donc ce jeu vidéo se déroule dans un futur post-apocalyptique. On s'est rendu compte que ce jeu vidéo, en réalité, est dans un futur post-apo. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est ah, faux okay. Voilà, le jeu vidéo Adam, Mega Drive, on s'est rendu compte qu'il se déroule en fait dans un futur post-apocalyptique. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Ah, tu as choisi cette technique-là. Agbou, lui, il... comment il avait fait une fois Il n'avait pas assez de réponse. c'était ça, je crois. Il avait fait ça aussi Ne cliquez pas là, je crois. il ah, ne cliquez pas là, ouais. Alors, est-ce que. Ça nous dit vaguement quelque chose, mais c'est peut-être une... une fausse impression. Il vous reste 6 secondes. Allez, allez, allez 1, 0, Alors, Je dirais que c'est vrai. J'ai écrit un petit parce oui, qu'il n'y a pas pour beaucoup toi de toi. C'est vrai. Mais parce que je vais pas gâcher la place. Oui. Oui. Je dirais que c'est vrai. Et ben non. Ah, c'est bah, faux. Ah. Mais, 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 c'est en fait un vieux mythe qui date du film Aladdin, enfin donc de, du, du film de Disney Aladdin. Dans les théories de fans, etc. Il y a des fans qui se sont persuadés que Aladdin. Ça se passait dans un futur post-apo. Alors, si on peut dégager Couskit euh, un bref instant pour montrer en fait sur le screenshot, parce que le screenshot est intéressant parce que le jeu aladdin a oh contribué à alimenter cette ah, théorie. Oui. Parce que notamment on croise un panneau stop. Il y a d'autres endroits dans le jeu. Euh, en fait, il y a un sprite 10, à côté d'un squelette quoi. Il y a un sprite qui était mal dessiné et euh, les ça, gens ça, pensaient ça, que c'était une bombe nucléaire qui était euh, qui n'avait pas explosé. Enfin voilà. Donc il y a pareil dans ce jeu à un moment on croise euh, un filin avec du linge qui est tendu et du linge qui est un peu contemporain. Donc apparemment c'est les devs qui eux se sont tapés un délire quand ils ont fait les sprites machin et là notamment ils voulaient dire aux joueurs bah va pas à gauche parce que sinon tu vas mourir ah, okay. et comme ils savaient pas comment lui faire comprendre en fait bah, ils sont pas flashés ils ont mis un panneau no stop a, a rien à voir avec Aladin c'est malin <laughs> ah. et donc ce mythe du coup a perduré jusqu'à 2015 okay. il a fallu que les est nuit sort non mais limite <laughs> en fait c'est euh, un site de cinéma qui a interviewé euh, les deux directeurs de Aladdin en 2015, à l'occasion de l'anniversaire la, du, du film, okay. en leur reparlant notamment de ça, etc. Et euh, en gros, les directeurs avec l'intérieur en disant euh, <laughs> Non, bah non, 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 <laughs> non, les gars, Aladdin se passe pas dans un futur passe tapeau euh, non, arrêtez. Ça aurait été trop cool. Là, bah, ça aurait été trop cool. Débarque ouais, complètement. Mais voilà, et donc, du coup, bah, ça a été largement alimenté par euh, Aladdin oui. le jeu, parce que, bah voilà, panneau no stop, euh, chapeau de Mickey qui est suspendu à un hein, fil de linge et tout, enfin des trucs un peu. Euh, voilà. Mmh. Les trois souhaits que le génie peut réaliser ne serait-il pas une métaphore de notre société contemporaine ça fait réfléchir quand fait même <laughs> bon bah du coup bah, 0 tous les deux vous hein, m'envoyez Oui, il y a beaucoup de gens qui sont, ou... ouais. ouais, sont plantés ouais, ouais beaucoup de gens sont plantés hein. et on en a quand même 8, 8 On ont répondu chaque... j'ai envie de perdre des points 7, 16 ouais. voilà donc 16 au total vous voyez 5 pistes de chaque et ben bah, je vous félicite pas hein. franchement là je suis, je suis déçu écoute c'est leur point ouais bah allez on s'attrape avec la prochaine Allez. Non. Allez, let's go. Moi, j'ai une culture de l'anecdote inexistante, perso. Là, ma question va être extrêmement simple. LucasArts, puisqu'on parlait justement de, de Monkey Island. LucasArts a essayé un jour de développer un Diablo-like. Vrai ou faux Je répète ma question. LucasArts euh. a essayé un jour de développer un Diablo-like. Est-ce euh... que c'est vrai Est-ce que c'est faux hmm. Hmm. Achant que ça turbine là. Non, enfin, <laughs> <un> moyen. Euh... <laughs> ça, pour le coup, j'en ai jamais entendu parler. Statut actuel, mouef. 6 secondes. 4 secondes. 2, 1, 0. Alors. J'ai dit vrai dit parce vrai. Que je me je dis, dis tu n'as dit... pas à mettre deux trucs faux à la, à la suite l'un de l'autre. Ouais. Ça se défend. <laughs> ça, ça, se -là aussi. Ça, ça se défend, ça se défend, c'est une On stratégie. Aussi, okay. Ça se défend, et c'est vrai. Ah. Il y a un Pour chacun. Tu sais ce qu'il y a un site qui s'appelle random.org et il génère <laughs> des nombres au hasard. Et moi, à chaque fois que je dois faire un quiz ou un truc comme ça, j'utilise ça justement pour éviter ça. Parce que sinon, je me dis merde, les gens vont faire de la psychologie inversée pour savoir. Là, moi, c'est une machine qui décide de quel ordre je mets les questions. Donc effectivement, LucasArts, c'était en 97, entre 97 et 98, LucasArts a essayé de développer Justice Unlimited. Le jeu a été en pré-production, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de code qui a été écrit, il n'y a jamais eu d'alpha ou de choses comme ça. Mais ils ont pitché le jeu et ils ont commencé à faire des dessins, notamment là on a une photo d'un dessin qui est issu d'un livre d'artwork sur LucasArts. J'en ai jamais entendu parler. Et donc, le pitch, en fait, euh, ça n'a pas été très loin. Le pitch, c'était Diablo dans les rues d'une ville moderne, avec des super-héros qui se tapent contre des vilains avec leurs armées, etc. de sbires. Et donc, ils ont ouais. fait quelques dessins et tout le bastringue. Et puis, en fait, euh, bah, Lucas Sartre, c'est Lucas Sartre, Apparemment, je pense qu'ils n'ont pas dû avoir le talent en interne, vu qu'ils étaient comme très pointé et click. Et donc, bah, le projet est un peu est mort. C'est quelque là. part, un Diablo là, -like, il faut pointer et cliquer. Hein. Oui, déjà. Ouais. Exactement. Et puis bon, ils ont fait X Wing, ils ont fait Dark Forces. C'est vrai que par comme contre, ouais, ils ont quand même fait des pas de côté qui étaient assez ambitieux. Ah bah carrément. Hein. Hein. Ouais. Mais voilà. Donc du coup, donc Justice Unlimited, en pré-production entre 97 et 98, mais en dehors de quelques concepts artistiques et un pitch, on n'a jamais rien eu d'autre. Donc effectivement, ils ont bien essayé de faire leur Diablo-like avant d'abandonner. On en est où dans le classement là C'est qui qui domine en ce moment là C'est qui qui domine double, emploie, double emploi du pronom relatif qui, qui je le rappelle n'existe pas en la langue française. Eh ben oui, eh ouais euh, C'est Tyler Ricky qui est numéro 1 là. Eh ben mes félicitations. On va pouvoir enchaîner Vous êtes prêts Ah bah ben, je suis chaud. Gérald, The Witcher. Tout le monde le connaît, vous le remettez, tout va bien. Dans The Witcher 3, Géralt aurait pu faire du patin à glace si la feature n'avait pas été annulée. Voilà. Pendant le développement. Ils se sont dit, bah tiens Gérald on va faire du patin à glace. Oui, oui. Et puis en fait ils se sont dit bah finalement on va virer ça. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Je répète ma question. Gérald aurait pu faire du patin à glace dans The Witcher 3 si la feature n'avait pas été annulée. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Il vous reste 10 secondes. 3 secondes. Top, on lève les mains Alors, montrez-moi vos réponses. Alors moi je suis très candide, j'ai dit que tout était vrai. <laughs> moi je dis non. Ouais, non. T'as vrai, vrai. qu'à raison. Oh là là Tu tout est vrai. Mais puis, Il faut y croire. C'est ce rêve ouais. bleu, t'as pas écouté Aladin Exactement. Oui, mais moi, pour moi, si rien n'est vrai, alors tout est permis. <laughs> C'est vrai. C'est une information qui nous a été révélée à la PAX de 2015, quelques mois seulement avant la sortie du jeu, ce qui devrait est assez surprenant, parce qu'en général, on en vient tard. C'est une oui. question du, du secret dans le jeu vidéo. Bah là, en fait, on a donc un, un game designer appelé David Meunier qui était venu présenter le jeu à la PAX et qui, qui a révélé. Il s'appelle David Meunier, déjà, ça bah, aussi, c'est très surprenant. Oui, déjà, déjà. Hein. Et franchement, euh... l'anecdote est, est fausse. En fait. Complètement. Et donc, David Meunier, donc, game designer sur The Witcher 3, donc, à l'occasion de la PAX 2015, quelques mois avant la sortie du jeu, a révélé que euh, Gérald. Euh, donc, il y avait une séquence vers la fin du jeu durant laquelle, en fait, il euh, bah, y avait de la glace et on devait patiner dessus pour avancer, machin, etc avec des combats sur la glace, donc avec une nouvelle mécanique et tout le tringue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont concertés et euh, ils se sont dit le jeu est comme super long. Introduire une nouvelle mécanique vraiment à la toute fin du jeu, le move est pas terrible ouais. et donc ils ont décidé de la retirer et de s'en passer, de faire juste un truc euh, voilà, où il n'y aurait pas, il euh, y aurait pas besoin de faire de patins à glace. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir Gérald faire du faire oui, patin à glace ouais. et décapiter des monstres ouais, bonjour, en jouant du patin. Peut-être, peut-être. Hein. Mais en tout cas, voilà, imaginez Gérald qui fait du patin à glace quand même, c'est. Oui, <laughs> et t'imagines que ça se trouve, ça aurait peut-être pu influencer la série Netflix et on aurait vu, euh, comment il s'appelle déjà l'acteur euh... Henri Cavill. Henri Cavill. On aurait peut-être pu voir Henri Cavill faire du patin à glace des de The Witcher. Et alors, sans y connaît ça aurait claqué là. En assemblant un PC En peignant des figurines. En plus, bah ouais, bah ouais. bah Il peut tout faire cet homme. Complètement. Il peut jouer. Complètement. Bah, pas tout avoir. Imagine, euh, attends, le mec il est acteur. Oh, dur, hein. Tu demandes ouais, de jouer. Euh, il est un peu rigide quand même. Je pense que c'est les scripts. Après le, rô, problème. Ouais, le rôle. Oui, le rôle n'est pas. Les, les scripts les... aussi, oui. Hum. Bon. Eh bien écoute on va passer à la prochaine question. Elle est un peu dark hein, cette question, je vous préviens. Hein. Elle est un peu. Quand Candelero aurait eu le rôle. il is the witcher. Mais il, il aurait. C'est un pro quand il est Ça je Mais ça j'imagine bien avec une perruque blanche. Il fait. Les cheveux longs ça lui va bien. Donc complètement. Complètement. Bref, question numéro 4. Donc, comme je vous disais, celle-là, elle est un peu dark. Dans Sonic CD. dans Sonic CD, la version CD de Sonic sorti sur Mega CD à l'époque. Pas de question où j'étais né. Non. D'accord. C'est vrai qu'il y en a pour le moment. mais si, oui, Witcher Je sais qu'il y a 12 et demi, mais quand même. Mais même Diablo tu t'étais né. Donc dans Sonic CD. Ne te fais pas plus jeune que tu n'es. Dans Sonic CD, Sonic se suicide si on ne touche plus au contrôle pendant trop longtemps. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux <tousse> euh... hmm. Ah c'est pas évident là. Là je vous sens euh, déstabilisé. Ouais. Non, non, là c est, c est le, je pense que je me suis planté, mais j'ai répondu très vite à celle-là. C'est la première. <laughs> tu m'en fais une psychologie inversée que même, Je pense que j'ai quand même répondu à la merde. <laughs> <coughs> Il vous reste 10 secondes. Ah non, là c'est une réponse ré ré réfléchie en plus. <coughs> Et toi, Isol Confiant, pas confiant Très bien, très bien. Ok. Euh, ultra confiant. Deux secondes. Pas du tout. Zéro. Montrez-moi vos réponses. Je Moi, je dis que c'est faux. Oui. Parce que je pense qu'un truc pareil ne serait pas été validé, quand même. Ah ouais. ouais. Si, ça l'a été Ouais, te portes. Tu te dis oui. Ah, ah putain Ah, ah ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est même. Peut-on avoir la vidéo, s'il te plaît, mais monsieur C'est horrible. <laughs> Peut-on avoir la vidéo Après, il y a suicide et suicides. Les suicides Donc, en fait, alors, oui, Là, bien sûr. C'est graphique mais, dégueulasse. Alors, <laughs> c'est pas. Comment dire C'est pas vraiment un suicide. mais Ok. Ah bah en gros, quand tu attends trop longtemps, eh ben Sonic, qu'est-ce qu'il fait ben, Il saute dans le vide, et tu as un écran de game over, et tu n'as plus de vie. Genre, ah ouais, Il se barre. Ouais. Genre, oh mais c'est pas, pas un suicide. Genre, genre, tu as, as trois vies. Ouais. Oh, c'est connu, c'est toujours présenté comme étant le suicide de Sonic, pas sûrement. Il saute dans le vide, et tu n'as plus de vie, en fait. Au bout de trois heures, Donc, euh... ah, il fait un petit signe à la fin, il rappelle voilà. à la voilà. Et là, pouf, il disparaît, et toi, tu as trois vies, batte ben, à zéro. Attends, non, mais là, voilà. il n'a pas la tête d'un type qui a suicidé, on dirait qu'il se barre. Faire rentrer chez lui parce qu'on qu a marre quoi. En tout fois. cas, la communauté, on parle toujours comme le suicide de Sonic dans Sonic CD. Mais c'est au bout de 3 minutes, c'est pas, pas beaucoup, quoi. Bah ouais. Pas très patient. Ah non, non, bah en bah, même temps, Sonic, il a pas que ça à foutre. Oui, hein. c'est vrai. Attends, t'imagines. Hein, toi, t'es là, voilà, c'est ça, Gotago go Fast. Attends, euh, Sonic, merde, quoi. Mm -hmm. le fast Die Young. Mais donc, ah ouais, ouais. <laughs> ça. Mais voilà, donc du coup, ouais, si tu poses ton, ton pad, et c'est vrai que voilà, enfin, même si, effectivement, comme on dit, hein, il n'a pas l'air déprimé, a rien du tout, machin, etc. Je suis inquiet pour Sonic maintenant. Il y a un côté un peu chelou de il saute dans le vide, t'avais trop vite, as 0, tu vois. zéro. Il enfin, y a quand même un message qui est bizarre quoi, dans, dans, dans l'histoire. Oui, Et Surtout que, bon, à cette époque-là, on, on est encore au, au tout début de la licence Sonic, puisqu'on mmh. est sur Mega CD, donc mmh. euh, ça remonte, ça, il y a plus de 20 ans. Je pense que les, les niveaux d'exigence et de contrôle de l'instruct de jeu vidéo n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, ça passe pas. Ça, clairement, il euh, y a d'ailleurs, il y a dix communicants non, qui mais vous font vous. Ça peut être mal interprété, machin, blablabla. Il n'y a que vous qui voyez un... Ouais, un suicide là-dedans. Ouais, Pour moi, c'est bon. genre euh, ras-le-bol, on se barre quoi. Oui, c'est ça. Euh... <laughs> mais en tout cas, voilà. Il perd toutes ses vies. S'en va. Ouais, mais, mais il en a vie, a plus besoin, il rentre chez lui. On va pas passer à la deuxième question. C'est tiré par les cheveux, votre affaire. Je trouve que t'es très mauvais joueur, ce non, mais c'est. Il, il est déçu, c'est tout, ça arrive, ça arrive. On m'a induit en erreur avec la formulation de la question. Ouais. Avant que je dise la prochaine question, chat, peut -tu, tu nous montrer la dernière illustration, s'il te plaît, parce qu'on en aura besoin J'ai besoin d'un support visuel pour cette question. Merci. Mmh, bon. Une à la je vais bon pouvoir Ce visage que vous connaissez sans doute si vous avez joué au premier Doom, et même au deux d'ailleurs, mais là, on parle du premier Doom, d'accord Donc ce visage, c'est le Doom guy. Dans le premier Doom, il est en bas de l'écran et quand il prend des dégâts, machin, il saigne, tout le bas et donc parfois il fait ce visage où il se met à hurler. Ce visage qu'on appelle la outrage face, et eh ben donc selon le mythe, elle apparaît seulement lorsqu'on subit trop de dégâts d'un seul coup. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Que la outrage face apparaît lorsqu'on prend Trop de dégâts un seul coup. T'es conscient que je vais euh, faire un monologue de 20 minutes derrière Bien sûr, les... mais c'est pour ça, ça que je J'espère qu'il y a une anecdote sur en Fallout fait après parce que c'est <laughs> dégueulasse là. Faut <laughs> bah, par juste contre... savoir si t'es conscient que tu ouvres la boîte de Pandore, là. Par contre, si ils se portent on se fait hein. Attends, non. <laughs> bah, non, je vais pas planter. J'ai écrit une question là-dessus dans mon quiz sur leur série. <laughs> il vous reste 10 secondes. Putain, j'ai passé pour un irrécupérable. <laughs> ouais. Bah, ouais. Nerd. Allez, bah, ouais. nerd. <rire> <rire> allez, allez. <fais nous rire> <laughs> Il me reste 2 secondes, une seconde. Et donc, Ambroise. Donc, non, elle apparaît pas, qu'on prend pas beaucoup de dégâts. Oui. Maintenant, tu veux savoir pourquoi Bien sûr, dis-nous. Tu sais pourquoi es enfin, enfin, Je sais pourquoi j'ai la réponse. Bon, alors, je vais si vous l'expliquer. Explique-nous. Bon, okay. Explique Normalement, l'idée, c'était qu'on devait la prendre quand on prenait 20 points de dégâts d'un coup. Sauf qu'il y a une erreur dans le code, ce qui fait qu'au lieu de mettre un sub, dégât su... Enfin, en gros, euh, différence de points de vie si veux, égale à 20, c'est égal à moins 20. Donc, en gros, le seul moyen de voir apparaître ce visage, c'est de prendre des dégâts et, dans la même frame, ramasser un bonus de vie qui te fera gagner au moins 20 points de vie. Qui Donc, elle apparaît quasiment euh, jamais. Voilà. Non, vraiment. C'est ça, je me répugne <laughs> moi-même. Voilà, <laughs> <mais j 'ai... rire> mon... Une part de mon cerveau détient cette information. <laughs> mais je n'en attendais pas moins. Voilà. Je n'en attendais pas moins. Donc, oui, voilà, effectivement, c'est... Mais c'est marrant parce que moi je me souviens que quand j'étais gamin c'était un peu un mythe ce, ce truc parce qu'à l'époque justement on, on savait pas, on n'avait pas accès au. Oui, c'est un peu comme on les ninjas cachés Mortal Kombat hein. quoi, ouais. et tout. C'est C'est voilà. vrai ou c'est un bug. Et euh, on, on en parlait entre nous avec les copains, machin tout ça. Et puis et donc euh, bah, avais toutes des dates théories sur euh, ah bah non, mais je crois que c'est quand on prend plein de gars, bah non, j'ai pas l'impression, machin. Enfin voilà, on savait pas quand il y avait ce visage mmh. précisément qui apparaissait quoi. J'avais même un, un, un pote qui me soutenait que euh, c'était euh, quand tu tirais pendant très longtemps sans t'arrêter, et bah il finissait par gueuler, machin de colère mmh. et tout. Fin. Voilà, mais non, donc du coup. Mais parce qu'on a la tous le souvenir de l'avoir vu une fois, et il s'est dit, mais j'ai rêvé, j'avais jamais vu cette tête ouais, avant. Ouais, et ouais. voilà. Alors, pesant le classement, s'il vous plaît. Parce que là, mes yeux ne, ne suivent pas, là. Il faut une question pour Fallout euh, Bah ouais. Bah le pas non, là, on, on est à la fin. Ah, c'est vrai Ouais, T'as répondu, quoi, vrai ou faux, là J'ai mis non. Oh là là. Bah donc, du coup, tu t'es fait avoir d'un point. Bah non, c'est vrai. Bah c'est vrai, la réponse est. Euh non, pardon, j'ai dit que <laughs> non non égalité parfaite pardon oh là là. prends ouais. partout ouais, mais prends partout j'ai failli te voler ton, ta bah, victoire, une victoire une émission quiz spécial Fallout ah bah exactement 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 eh ben bah écoute bah, enfin, quoi que ah, si, allez tiens, tu veux une question euh, Fallout rien que pour toi rien pour toi, <laughs> rien pour toi. Fallout 1 hein. ouais. c'est bon tu le remets ouais. ok nom et adresse de tous les développeurs <laughs> ah, fais gaffe parce qu'il faut foutu répondre hein. ouais. <laughs> c'est ça Bon, j'arrive pas à lire, je suis désolé, j'arrive pas à lire les pseudos de, des gagnants. Feltan, et après c'est contestant, 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 okay. et Baltog. Ok, et eh bah ben, écoutez, mes félicitations, parce qu'il y a comme des questions qui étaient un peu raides, je vous ah, l'accorde. On va pouvoir enchaîner avec notre dernière partie de cette soirée. On va se détendre, on va se poser en douceur, et on va parler un peu bah, de à quoi on joue en ce moment. Et j'ai le micro qui s'en va, pardon. Et donc ma première question. J'ai été surpris de ta réponse, Agar. Mais oui, mais ça, c'est à cause... Co... À... of Isaac. Oui, c'est cause de Cult of Alarm, j'en avais parlé pendant un stream. Ouais. Et ben, Je suis complètement retombé dans Isaac, et c'est pire que ça, c'est qu'en fait, Hadès c'est sur mon backlog depuis super longtemps, ouais. mmh. et en plus, il est en promo, et j'ai jamais trouvé le temps de le faire, et là, je commence à un peu me lasser d'Isaac, je me dis, bon, allez, je vais acheter Hadès mmh. et me le faire dans la foulée. Parce que, je sais pas, ça m'a relancé dans un mood de vouloir faire des roguelites, en fait. D'accord. Et euh, ouais, je sais pas pourquoi, c'est un... J'aurais pas dit que c'était ton genre de jeu, d'ailleurs. Ah, ouais, mais pareil, Isaac, ouais. c'est incroyable. Mais, euh, ouais, okay. Isaac, Alors, par contre, c'est rigolo, c'est que là, du coup, je jouais la version remaster, là, euh, Rebirth, et, euh, et c'est vrai que la musique est quand même beaucoup, beaucoup moins bien que celle de l'original. Et ah du ouais? coup, j'ai réécouté. Il y a eu une embrouille entre Macmillan et le mec qui a fait la musique, je vous ah, okay. ton nom, mais les gens euh, me diront dans les chats. C'est pas euh... Pas aussi qui a fait la musique. Si, c'est de... ça, c'est ça. Okay. Et, euh, et donc, sa musique est absolument incroyable. Et okay. euh, la musique de l'original. Et, et donc, c'est celle du, de Rebirth. C'est pas, pas la même. Et ah, elle okay. est beaucoup moins bien. Ah merde. Voilà. Okay. Et c'est vrai que c'est un peu. Du coup, comme la musique fait quand même une grande part du jeu, ouais. c'est ouais. vrai que c'est un peu triste. Il euh, y a des modes qui remettent la musique, mais ils sont assez compliqués à installer. Okay. Parce qu'ils ont vraiment verrouillé les, les données pour pas que les gens puissent bricoler. Euh... Donc voilà, c'est un peu. Ok, donc, es tombé là -dedans et donc, et donc tu tombé là-dedans. et donc, Tu vas euh... jouer à Alès. Et là, faut que je vais, faut que je mette à Hades parce que j'en ai un petit peu marre de Isaac. Et alors justement, la je question... suis arrivé au stade où je me dis, j'arrive pas à faire mieux vu que je suis de toute façon, je suis mauvais. Mais la question, c'est dix euh, ans après euh, la sortie, est-ce que ça vaut toujours le coup Genre, est-ce que tu te dis pas, oh, ouais, quand même, ça a vieilli. Euh... À Isaac ouais. Ouais. Mmh. Ah Isaac Ouais. Non, pas du tout. Non, non. Il n'y a pas bien. beaucoup de jeux qui arrivent, enfin, qui marchent aussi bien en fait. Ouais. Parce que la formule, en gros, c'est un Zelda hardcore ouais. et euh, ça ne peut pas vieillir comme formule quoi. Ouais. Ouais. C'est sûr. Ouais, c'est parti ces jeux qui sont finalement devenus des classiques et ça, ouais. euh, voilà même plus tard tu les apprécies toujours toi Attends, on en reparle euh, il n'y a pas longtemps j'ai réinstallé euh, Daggerfall là ouais. euh, et pareil c'est un jeu j'y reviens régulièrement alors que pourtant euh, putain, le jeu il a quoi il a vingt cinq ans non hein, non mais ce que je veux dire par là par contre c'est que je prends toujours autant de plaisir en fait de oui. quoi. je je reconnais ses défauts ça y a aucun problème hein. mais j'y reviens J'y reviens sans arrêt. D'ailleurs, Faux, est prodigieux parce qu'il fait un truc qu'aucun autre jeu a fait depuis. Quoi. Ouais. Mais après, euh, il a quand même un peu vieilli. Quoi. Mm. Et quand même, euh, est oui, ça, quand, quand, quand tu as les combats, euh, fou, fou. Ouais. Fou, fou. Y a beaucoup des, oui, oui. Et même le monde est hein, quand même en plastique. Ouais. Euh, voilà. mm. Mais oui, c'est bah, quand même un peu du vide avec euh, une ville générée procéduralement, oui, euh, avec une site toute pourrie, elle se ressemble toute. De sa vie, non, pas du tout. Non, non. Donc, du coup, toi, mon cher Isuad, tu joues à. Isle of Arrows, je sais pas du Isle tout ce que c'est. Isle. Isle of Arrows. Isle. Arrows, of course. Ouais, c'est un petit jeu tout mignon, un petit tower defense figure-toi, euh, que j'ai découvert un peu par hasard, okay. qui est, qu est fait par Daniel Lutz, qui est le, le Creative Director de Hitman Go, euh, Lara Croft Go, etc. D'accord. Oui, même on si voit un peu, ouais, il, y a ouais, il y a une situation. influence ouais. Et alors, c'est très cool. Je l'ai streamé hier euh, sur euh, notre chaîne Twitch pour les gens que ça intéresse, qui voudraient voir euh, du gameplay. Et euh, c'est assez intéressant parce que donc euh, c'est sur des îles comme ça qui sont minuscules et en fait on doit construire la route que prennent les ennemis mmh. euh, mais on doit aussi poser les tours et tout ça c'est en fait un système de tuiles où à chaque vague on a droit à une tuile euh, qu'on va poser et la bon. tuile ça peut être un drapeau qui va servir à agrandir l'île ça peut être donc une tour, ça peut être un chemin... Mais du coup, on n'a pas forcément les bons chemins mmh. quand on veut, donc on peut pas prévoir à l'avance, etc. Okay. Euh, et puis il y a plein de petites subtilités que voilà, de, donc dont je vous fais grâce. Mais du coup, c'est vachement malin. Enfin, moi, j'adore les Tower Defense de toute façon. Et là, justement, il y a un petit côté original de dire bah, tu vas tout construire en fait, ouais. mmh. et un peu aléatoirement, parce que c'est un peu le problème souvent sur les Tower Defense, c'est que tu arrives sur un niveau. Tu sais, tu sais déjà tout ce que tu vas faire mmh. tu sais que bon voilà bah tu vas mettre une tour sniper euh, que tu vas grader au max là ce sera une tour canon euh, machin et là du coup dès le début vu que t'as rien as juste euh, ton île avec un tout un début de chemin et, et une tour ouais. et le reste bah, c'est de l'impro okay. mais on dira on dira un tour en défense d'orfra romantique en fait oui. eh, exactement, oui. ouais, exactement. j'en je je parlais bien que tu mis ça dans le chat d'ailleurs oui, bah, oui, oui. tu vois ouais, mais c'est vrai que c'est exactement j'en parlais hier en stream ça, ça ressemble beaucoup à dorfra romantique <laughs> dans l'idée et c'est hyper malin il y a pas mal de contenu, il oui, cool. euh, y a euh, différents euh, environnements, etc. On débloque des tours au fur et à mesure. Alors, il y a un petit défaut qui est que, alors je comprends pourquoi, mais on ne peut pas upgrader nos tours, alors qu'il y a okay. un système d'argent, etc. Mais tu ne peux ouais. pas améliorer une tour. Okay. Ce qui est un peu dommage. Alors, euh, le, je pense que le dev a fait ça pour qu'on soit obligé d'agrandir le chemin. Ouais. et de mmh, mettre mmh. Le, de, plein de tours du coup niveau 1, mmh. alors que si on avait pu mettre des tours ultra balèzes, on, on ferait ouais. un tout petit chemin avec que les tours ultra balèzes et ça suffirait mmh. Mais c'est vrai que dans les Tower Defense, je trouve qu'il y a un vrai plaisir à améliorer nos tours mm. euh, avec l'argent, à économiser pour avoir une tour sniper hyper forte. C'est ouais. bah vrai que, que c'est un trop. côté assez satisfaisant qu'on qu a dans les, dans les Tower Defense, comme tu dis, mm. où euh, tu as, as des vagues, je ne connais tu as des vagues d'orques de base qui te font chier depuis le début. Là. Ouais. Et là, d'un coup, tu as la méga tour qui, à chaque boulet, les voilà. éclate par paquet de 50. Mm. C'est plaisant. C'est plaisant. Là, ce n'est pas exactement là-dessus que ça joue. Là, ça joue mm. vraiment sur l'impro. Genre, tu vas créer un chemin qui est très alambiqué. Après, il y a d'autres chemins qui vont apparaître aussi, juste à côté, avec donc des vagues d'ennemis parallèles. Donc l'idée, c'est d'arriver justement à faire les chemins les plus proches possibles pour pouvoir mettre une tour entre les deux qui attaque sur les deux chemins. Enfin, il y a plein de subtilités. C'est très mignon. Ça mange. Enfin, ça a l'air vraiment. vraiment envie. Bête, mais c'est vraiment cool. Ça coûte que 12 balles. Et il y a une version. Donc c'est sorti là il y a une semaine sur Steam. Et il y a une version mobile qui va sortir sur iOS et Android début octobre. Voilà. Donc, euh, ça là, c'est un sacré piège en fait. Hein. Je ouais. crois que ce genre de jeu, tu, tu plonges dedans, tu lèves la tête, il est 4h du matin. Quoi. Oui, c'est ça. Il oui, oui, y, y a un peu de ça. Non, non c'est vraiment cool. Ok. Et toi, Canina, c'est quoi tu joues Merci de me demander, comme toujours, <laughs> ça fait plaisir que vous y pensez Eh ben moi, sans surprise, j'ai toujours pas décroché de Metal Hell Singer. Ah ouais, faut arrêter. Il y a hein. rien à faire. Je euh, n'en décroche pas. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un mec qui connaît l'histoire de la Outface Face qui te dit ça. Hein. Ah ouais, bah ouais. là, là <laughs> c'est. Je l'ai streamé, je l'ai testé, et il est toujours installé, et je continue d'essayer de, de, d'aller euh, surpasser mes, mes précédents scores. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le, le stream, euh, ou qui n'ont pas lu le test, disponible sur canapc.com ou dans le numéro qui arrive là en octobre dans les, dans les kiosques. Metal Singer, grosso modo, euh, imaginez Doom Eternal. Voilà, ça c'est la base oui, du gameplay. Voilà. Voilà, vous avez le jeu. <laughs> Mais le twist, hein, c'est qu'en fait, il y a un côté un peu Crypt of the the dancer, c'est-à-dire que on va vous dire, tu as des dégâts en fait qui vont être influencés. Donc, chaque arme fait des dégâts en fait. Bah, les dégâts qu'elles que, qu vont faire vont être influencés par euh, ton accord avec le rythme du niveau en fait. Donc, chaque niveau a genre un, un rythme avec une musique très euh, très marquée, genre pam pam pam. Mm -hmm. Si on tire ou qu'on effectue une attaque spéciale, un truc comme ça, bien en rythme, bien. on fait le maximum des dégâts. Si on est en décalé, forcément, on a un malus plus ou moins. Bien sûr, il y a une petite zone de tolérance, c'est-à-dire qu'en gros, on peut être soit décalé, soit ok, soit perfect. Ah oui, okay. Si on est décalé totalement, on ne fait pas beaucoup de dégâts. Si on est ok, on fait des dégâts normaux. Si on est perfect, on fait des dégâts avec un, un putain de bonus. Et donc, bien sûr, le but, c'est d'être aussi perfect que possible pour éclater vite les ennemis. Et bien sûr, plus on va vite, plus on enchaîne les combos, moins on se fait toucher. Plus on a un multiplicateur de score qui augmente en haut de l'écran, et bien sûr, l'objectif étant de le bloquer à x16 pendant tout un maximum de temps, en fait, pour que bah, chaque mort qu'on va faire, en fait, à chaque fois, euh, là, on, juste on fait claquer le high score. Quoi. Juste pour faire du score ou Juste pour faire, faire du score, ouais. Ah ouais et à la fin des du des niveau, des du euh, coup, voilà, tu as ton, ton classement avec tes, tes potes. En fait, tu débloques, tu as, as des upgrades, si tu veux, tu as des petits bonus, des machins comme ça, des armes et tout. mais tu les débloques en fait en faisant la campagne okay. qui est de, de 8 niveaux si j'ai pas de conneries et une fois que tu c'est un petit peu court 8 niveaux pour un jeu bon le jeu est pas très cher en même temps je crois qu'il coûte dans les 20-25 balles mais je, à la fin je me suis dit euh, 2-3 niveaux en plus j'aurais pas craché dessus niveau 25 balles moi j'aurais mis 3 sur 10 ouais exactement Genre, il aurait fallu retirer des points moi je trouve ça vachement bien ça fait quand même des années que les métallos nous gonflent à nous dire « Non mais tu comprends, c'est une musique vachement subtile, c'est quasiment <laughs> de la musique symphonique, c'est pas du 4-4 tout bête, on a des rythmes de fou. » Et là tu dis « Alors le niveau ça fait bam BOM BOM !» voilà, mais alors, merci, le métal c'est ça. Non justement, et ça c'est pour moi un défaut du jeu, c'est-à-dire que des fois le rythme euh, du niveau ne suit pas le rythme de la musique. C'est-à-dire que dans la musique, vous êtes là en train de suivre la musique et donc du coup bah, vous suivez le rythme du niveau en faisant BAM 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 BAM. Et d'un coup, genre, il y a un contre-temps qui se fait à la batterie. Euh, la batterie se met accélérée parce que c'est le refrain n'importe quoi. Et lui, le rythme niveau reste toujours sur bam, bam, bam. Et ouais, et ça c'est un oui, truc oui. qui est un peu chiant. Oui, si c'est sur du bam, bam, alors ouais, plus bam, bam. Exactement. Pour moi, on enlève oui. un point. Il y a des niveaux pour lesquels voilà, c'est un peu perturbant et au, au début quand on fait pour la première fois, on se fait vite surprendre à cause de ça. Donc ça fait partie des petits trucs que j'ai mis un peu proche au jeu. J'aurais aimé un peu plus de peut-être qu'il s'inspire un peu plus de Guitar Hero, c'est-à-dire que les moments où la musique commence à monter dans les tours, bah, que le rythme niveau, ça monte, lui aussi tac, tac, mmh, bah tac, oui, tac, oui, oui. tac, tac, tac. Oui, c'est un peu dommage, oui. Ouais, ça c'est vraiment dommage. Tu me disais que, Après, euh, que, ça, que ça casse tout le principe d'un jeu de rythme. Ouais, ouais, jamais le bizarre. rythme ouais. ne va pas avec la musique. Après, quand je suis par contre, hein, ça c'est un truc qui survient, euh, moi je l'ai noté sur deux niveaux, euh, sur des enfin, tranches sur, de, de 20 secondes, tu vois. C'est ouais. pas non plus... Et tu disais que c'était des pointures du, du métal. Ouais, exactement. Qui, qui en fait, euh, des jeux comme ça, on en a déjà eu, hein, je pense notamment à B BPM, hein, qui est exactement la même recette, hein, sauf que BPM, en fait, bah d'ailleurs c'est du métal un peu générique, donc ça n'a pas fait beaucoup parler de lui. Là, ils sont partis chercher euh, alyssa Walglause qui est la chanteuse de Dark Enemy, ils sont partis chercher le chanteur de System of Adon, ils sont partis ah ouais. chercher le chanteur de Soulwork. Enfin voilà, ils sont partis chercher vraiment des grosses pointures du, du secteur pour les faire chanter qui sur fait, leur qui fait, euh, la musique. Ouais, tout à fait. Donc c'est pas le chanteur System of Ah bah System of si, excuse-moi. Ah ouais, d'accord, pour moi c'est d'accord. Et donc du coup, ils ont un groupe qui s'appelle Two fighters qui a fait les musiques en fait et donc voilà en guest, ils ont tous ces chanteurs, un chanteur par niveau qui va chanter sur chacune des pistes. Ah ouais. Et bah du coup, c'est super cool parce que là il euh, y a une plus-value qui est quand même assez, euh, assez cool. Quoi. Et je pense que du coup, ça ouvre aussi des portes. Bah, tu vois, on va justement ah, la liste qui apparaît très brièvement des, des chanteurs et des chanteuses. <laughs> et donc, du coup, bah, ce qui est bien par contre, aussi, toi, on parlait tout à l'heure de, des DLC pour faire vivre un peu le, oui. le studio tout le basting Là, ils ont une porte qui est ouverte en grand. Bah, oui, là, là, des DLC avec des niveaux supplémentaires, avec des chanteurs en guest, machin et tout. Là, ils peuvent ouais. euh, tenir un nom ou deux. Et sur certains qui auront une suite parce qu'apparemment le jeu il a l'air de plutôt bien marcher en termes de vente. Et euh, clairement, le jeu se termine en mode... Euh, eh, Peut-être qu'il y aura une suite bah Oui, là, bien sûr. Là. Oui. <laughs> Mais voilà, donc ça c'est mon petit bonbon. J'y euh, okay. joue très régulièrement. Ce qui saoule ma meuf, parce que quand je joue, je suis là en train de faire. Ah le relou. La pauvre. Voilà. Et elle allait elle à côté et elle se bouge les oreilles rien mode... Tu Donc, me fais chier. Tu peux parler, toi. T'es sur Cookie cookie toute la journée. On entend tes clic 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 clic. Ouais, Pendant le temps, du temps du là. Ouais, ouais, en mais... hein oui, en rue, hein. Oui, c'est vrai. En rue, on est en train de parler du boulot, clic 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 clic. Regarde. Non, oui, oui, oui. oui, 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 oui. Ça, c'est du rythme. C'est du... un jeu de rythme très très rapide. Quelqu'un dans le chat disait qu'il n'y avait pas de méchouga, J'imagine un jeu comme ça avec du meschougar. Tellement drôle. Ah ouais. serait impossible. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais voilà. Et ben, écoutez. On a passé une bonne soirée ensemble. Merci Et de m'avoir oui. accompagné pendant ces deux heures. Ouais, pratiquement deux, non Oui, une heure cinquante. Ouais, pas mal, pas mal. Bon bon chiffre. Très bien. Merci à vous de nous avoir suivis dans notre dans chat. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, encore une fois, dont on parlait des magazines. Je vous rappelle aussi qu'on a également un site web carapc.com où vous pouvez nous retrouver avec notre actu en direct. Chaque jour, on a du contenu Jeux vidéo, jeu de plateau qui tombe du lundi au vendredi. On a un à plusieurs articles par jour qui tombent, donc bah, si vous voulez rester informé sur l'actu du jeu vidéo ou du jeu de plateau, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Nous, on sera très content parce que bah, <laughs> on est comme ça. On aime l'argent, donc mm. hey, on n'est pas une bande de connards sans déconner. On bosse pour de l'argent. Ah, je... ah là, là. Vraiment, ça me dégoûte. Ah il y a des fois mais je nous dégoûte vraiment là. Mais <laughs> bref. Je vous rappelle qu'on a un Discord, un Twitter et un forum où vous pouvez potentiellement ou non trouver pour discuter, où vous pouvez échanger ou simplement vous tenir informé sur l'actualité de Canard PC. Je vous rappelle également que ce podcast sera diffusé. Chat, mon amour, ma vie, ma muse. Quand ce podcast sera diffusé, s'il te plaît Il a bugué. Oui, il est parti, puis il est <laughs> venu, il est reparti. Ouais, on ici. attendait un grand. Euh. <laughs> bon, bientôt, quoi. Demain, eh ben donc c'est rapide. Donc voilà, demain vous pouvez retrouver ça en podcast sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Bien sûr, tout ça, ça va bientôt atterrir sur la chaîne YouTube. Bref, il y a tout un microcosme. Canard PC, c'est vous pourrez nous retrouver. Isol, quel est le mot de la fin? Coxis. Ça c'est parce que tu dis sur le canapé bleu. Exactement. Et ben on va te libérer. On va te libérer. on part en raid chez qui? Il a encore bugué. <laughs> bah, je sais pas encore. Ok ouais. donc on fait quoi Alors, On attend. Ok bon générique. Nous on, on, va, on, générique. on va vous laisser avec le générique. On va vous envoyer en raid. Donc ne quittez pas si vous voulez rester avec la communauté, et partager notre truc. On va vous envoyer en raid chez quelqu'un. Et donc bah, bah coxis à tous. Hein, voilà. Bah, voilà Merci d'avoir été là et coxis. À la prochaine. Salut. Salut.